Hop, hop, hop. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? On ne nous voit plus. Ça y est, ça commence fort. On est en pleine période foireuse en ce moment avec les astres. Ouais, vous rigolez pas, mais c'est vrai en plus. Ça s'appelle même Mercure rétrograde. Voilà, on y est. Tac. Salut à tous, salut à toutes, bienvenue sur les Track and Joy. C'est Koupa comme vous le savez ou pas. J'espère qu'on m'entend bien. Pour l'instant, je pense que nous sommes trois. Il n'y a personne d'autre. En tout cas, ce n'est pas grave puisque le replay, bien, si vous le voyez, mes chers auditeurs, de toute façon, sera disponible bien juste après ce live. De toute façon, je présume que vous allez arriver petit à petit. Ce n'est pas grave, nous allons commencer comme il se doit les présentations. Donc je suis avec aujourd'hui, voilà, justement, Charlie, tu es le premier, tu as gagné le droit eh bien, de poser des questions à la fin. Et toi tu pues, ben, je viens de te voir, hein, Charlie, de Games 2A TV, hein, je conseille cette petite chaîne corse. Je ne sais pas si vous connaissez, messieurs, Charlie. Ouais. Oui, Oui. d'accord. Ben, Super petite chaîne du sud de la France, avec, n'est-ce pas, l'accent corse et puis toute la beauté de la Corse. Voilà, on fait des bisous à la Corse. Et bah oui, bah, il y a un petit retard hein, dans le chat, tu le sais bien, hein, Charlie, je vais rien t'apprendre. Bon, messieurs, nous sommes donc en compagnie de notre ami Lovecraft et de Sega bon. Collection. Alors, Dorial Cerber, hein, comment est-ce que je peux t'appeler voilà, Comme c'est tu ton veux, surnom. Adrien, Sega Collection. Adrien, Stéphane pour les intimes, Alexis pour moi, voilà, ben c'est fait. Donc effectivement, je vous remercie vraiment d'être présent aujourd'hui pour ce petit live des familles. Vous voyez, j'ai même mis la chemise, il fait bon, hein, il fait Ah chaud, oui. il fait beau. Voilà, même en Belgique, il fait beau, ça arrive. donc, on a plusieurs petites thématiques comme ça, on ne va pas se prendre le chou. Comme d'habitude, hein, vous le savez, tous ces petits lives voilà, sont là un petit peu pour distraire un peu tout le monde et puis pour passer un bon moment. Voilà. J'espère qu'en tout cas, vous aurez quand même l'amabilité de partager ce lien si ça vous plaît, afin eh bien, de faire participer vos amis. Nous aurons de petites questions qu'on pourra poser éventuellement à Adrien, Stéphane, à la fin du live ou en plein milieu. On verra un petit peu comment ça se passe. Et donc, de toute façon, on va commencer tout doucement les présentations, auquel cas vous ne connaîtriez pas ces deux passionnés, youtubeurs, qui sont donc là présents pour ce live. Alors, on va commencer par, bah justement, tiens, de Real Cerber, hein, donc Adrien, ou Sega Collection, effectivement, donc ta chaîne, on l'a compris, ne se porte pas sur Nintendo, quoique, hein, on en parlera après. Tu as commencé, toi, en décembre 2015, tu es donc bah, un passionné de Sega, on va un petit peu en apprendre un petit peu plus après. Et donc tu présentes eh bien, des thématiques sur Sega, sur tes acquisitions, des petits voyages au Japon également, très très sympathique d'ailleurs. Et on va sauter directement sur Stéphane, enfin sauter c'est un grand mot, sur Lovecraft, voilà, qui a sa chaîne éponyme, hein, Lovecraft. Voilà. Alors, je vais vous poser la question toute banale, bien que Stéphane, je l'avais déjà interviewé, ainsi que Adrien aussi à la Pixel Day, oh, là, il y a bien longtemps, Deux ans, en je deux, crois, en trois deux, ouais, je m'en rappelle même plus, tiens, tu vois, c'est un passé, c'est une autre époque, On va passer à 2019 revenir, on va effectivement, revenir. ouais, ben, on l'espère, hein. Et donc, voilà, effectivement, on avait fait des petites interviews, donc je vous mettrai voilà, en lien, en description, sur ces petites interviews qui permettra peut-être de redécouvrir ces deux youtubeurs peut-être d'une autre manière, voilà. De manière très courte. Donc voilà, vraiment, ça me fait plaisir de vous retrouver ici, en virtuel en tout cas. Stéphane, la simple question que je t'avais déjà justement posée à Pixel, rassurez-vous, il n'y a pas les mêmes questions, il n'y a pas les mêmes thématiques quand même, c'est pourquoi ce pseudo Lovecraft, tout simplement. Pourquoi ce pseudo? Bah, la première, c'est que j'avais déjà ce pseudo-là quand j'étais gamin à l'époque. Je faisais partie Ah! d'un. Oui, je t'en avais parlé de ça. Mais ça Oui? s'écrit pas de la même façon. En fait, je faisais partie d'un groupe et puis j'étais sur Commodore 64 et puis on avait tous des pseudos. Et c'était Lovecraft, voilà, tout simplement. Le Tout à Craft, fait. c'est surtout parce que je suis fan de Kraftwerk, Voilà. qui est le groupe Kraftwerk, ouais. Tout à fait. qui est à la base de la musique électro, enfin à la base d'autres groupes aussi, hein, mais qui a fait Exactement. que voilà, c'est assez Tac, voilà, tout à fait voilà. Kraftwerk. Je Et mets je suis la fan petite de ce note. groupe-là, entre autres, hein, y a plein de choses que j'aime beaucoup, Ouais, mais ouais, ouais. c'est vrai que c'est un groupe que j'aime beaucoup. Voilà. D'accord.
Eh bien, écoute, ça tombe bien, moi Et aussi. le 2, et le Alors, fait qu'il y ait deux A, pardon. c'est pour faire joli. Voilà, c'est tout. Oui, d'accord. C'était une bonne idée. Fallait D'accord, faire écoute. avec AAA. Voilà, c'est pas ce que les programmeurs du Commodore 64 auraient dit à l'époque. Ils auraient C'est raccourci d'un A pour, voilà, pour Quelle économiser idée, je peut-être pense. un bit. Alors, Et aussi, le problème, c'est que pardon, Lovecraft, excuse-moi. et donc c'est HPL, c'est Howard Philip Lovecraft, hein, l'écrivain. Et quand Oui. on jouait dans les jeux d'arcade, ou quand il y avait pour mettre ses pseudos, c'était HPL. Voilà, c'est tout simplement. Exactement. Petit truc, hein, c'était à l'époque. Hein. À l'époque où le high score était vraiment important dans les jeux. Oui, ben on pourrait en reparler, tiens, à l'occasion, même durant le live. C'est vrai que c'est quelque chose qui se perd, en tout cas. Bon, on le sait pourquoi aussi. Voilà. C'est l'évolution du jeu qui fait que voilà quoi. Ouais. Ça dépend des jeux, on va dire. Alors, Adrien, la même question pour toi. Pourquoi The Moi, c'est une vieille histoire en fait. À Real la base, pour être totalement honnête, moi j'ai eu internet fin des années 90 et je squattais Mirk, MIRC pour ceux qui Oui, connaissent, bien et sûr. ICQ également, et Direct Connect en gros. Voilà, donc j'étais un hacker, enfin hacker, c'est un grand mot. On téléchargeait illégalement, on va dire, pas mal d'animés, et je faisais partie d'une team de fansub d'animés qui s'appelait Sephiroth Fansub à l'époque. C'était il y a très très longtemps. Et j'avais pris le pseudo Cerbère parce que j'aimais beaucoup cet animal mythologique et j'aimais également le côté avec trois têtes, multi-usage parce que je faisais pas mal de choses à l'époque assez variées. Et puis, ben, tout simplement, pourquoi The Real Cerber? C'est que ben, Cerber, c'était pas disponible. Et je me suis dit, bon, ben, c'est moi le vrai Cerber, donc The Real Cerber, D'accord. simplement. Oh. L'histoire vient de là. Et puis, j'ai renommé, je crois, c'est encore en 2019, la chaîne Sega Collection, parce que voilà, l'idée, j'ai vraiment fait la chaîne sans aucun but. À la base, c'était vraiment pour rigoler et avec pas forcément un but précis. Et puis, c'est vrai que la chaîne, au final, on parlait vraiment beaucoup de collection et de Sega principalement. Ben, je me suis dit, c'était. Enfin, le nom était disponible, je me suis dit bah autant appeler la chaîne comme ça, au moins ça sera facile à identifier pour ceux qui viennent sur la chaîne pour le coup. D'accord. Bah écoute, merci pour cette explication complète, hein, des plus complètes. Le fameux MIRC, là, qui a pas connu tout ça. Dalnet, Ah oui, précisément. non, c'est vrai, Et c'était vraiment QuakeNet une. aussi pour les gamers à l'époque, il y avait aussi pas mal Oui, de aussi. Dalnet pour QuakeNet, pour ceux Bah, c'est un qui. peu les précurseurs de Steam, c'est ça, si je dis pas des conneries Ah bah je sais pas, je suis pas sûr, peut-être. Il y avait un système de chat aussi, tu sais, en temps réel pour jouer en live. Enfin bon, je sais plus. Bon. Voilà, Ouais, moi, j'ai pas peut-être. trop suivi cette période-là, naturellement. Voilà. Alors, donc, effectivement, donc je disais que toi, Adrien, donc tu as commencé. C'était en décembre 2015. D'ailleurs, tu avais présenté une petite vidéo donc d'un marché japonais en France, à Paris, je crois, hein, Ouais. avec une musique des plus chinoisantes. C'est assez coquin. Je sais pas si c'est fait exprès d'ailleurs. Non, non, pas du tout. Bah, si je D'accord. débutais, moi, j'ai jamais fait de montage. J'étais vraiment à Ah, l'arrache. Enfin, d'accord. on pourra en parler de la progression, on va dire, T'es tout qui s'est excusé. faite. Il n'y a pas Et de en vrai, problème. il y a même d'autres vidéos qui sont plus du tout sur la chaîne, mais à la base, j'avais même fait d'autres vidéos Ouais. qui parlaient d'animé et de cinéma, parce que l'idée, c'était vraiment de partager en fait avec les gens. Mais vraiment, la qualité, le son était exécrable. Et in fine, je les ai supprimées. Enfin, elles sont toujours disponibles en privé, mais par Les contre, elles cap... sont plus visibles. les caméras HD, c'était relativement cher encore à l'époque aussi. Et puis Ouais, bon, les c'est vrai. webcams, c'était voilà, quasiment inexistant ou alors en tout cas hors de prix. Toi, Stéphane, donc tu as commencé par contre en mois de mai 2014. Alors, donc, c'est. Alors qu'est-ce qui vous a justement enfin, dis-moi un petit peu, Stéphane. Oui, pardon, je t'ai coupé. Non, 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 vas-y, vas-y, pose la question, non, non, il n'y a pas de souci. Sur quel, justement, sur quel, enfin, avec quel élan vous avez voulu créer une chaîne YouTube, on peut dire ça, ou en tout cas créer du contenu sur Internet. Qu'est-ce qui vous a motivé, finalement? Enfin, au début, moi, je parle pour moi, je faisais des vide-greniers à l'époque, tout au début, hein. Et puis je me suis dit, tiens, parce que c'est un truc YouTube, je connaissais pas du tout. Et j'ai tapé comment vide-grenier pour voir s'il y avait des gens qui faisaient des vide-greniers, tout simplement. Donc j'ai vu des vidéos de gens qui faisaient des vide-greniers dans un premier temps. Puis vide-grenier, c'est aussi devenu comment dire, le trésor du grenier, mais il y a aussi, comment ça s'appelle, le joueur du grenier. Voilà, je cherchais. Et je suis tombé sur le joueur du grenier, et j'ai trouvé enfin, ce qu'il faisait, même ce qu'il fait encore maintenant, c'est vraiment top.
Et j'essayais d'en savoir un petit peu plus. Je suis tombé sur James Rolfe, donc Angry Video Game Nerd. Ouais, ouais, ouais. Et je suis basculé sur pas mal de choses. J'ai découvert d'un seul coup tout ça. Ouais, et puis aussi. Je me suis dit, tiens, ce serait bien que je fasse une. Ouais, je me lance aussi, faire une petite. Enfin, tranquille, hein. Au début, c'est un peu comme Adrien, c'était vraiment pour partager. Et puis, même encore maintenant, c'est le cas. De toute façon, c'est pour partager. Okay. Puis, pour s'amuser, je ne cherche pas du tout à avoir. De l'audience, voilà, c'est ce que je veux. Comment dire, des personnes qui sont. Avoir des contacts avec des gens qui sont un peu comme moi, et puis c'est le cas, parce qu'Adrien, je le connais, on se voit régulièrement, et puis ça m'a permis d'aller à la Pixel Days, de rencontrer des gens. C'est surtout ça qui m'intéresse dans l'aventure YouTube, même si parfois c'est pas forcément évident de trouver des sujets toutes les semaines pour faire une vidéo. C'est vrai. Tout à fait, voilà, exactement. C'est le début, c'est comme ça, c'est les vide-greniers, et puis en tapant sur un moteur de recherche, voilà, au fur et à mesure, j'ai creusé un petit peu, et puis je suis tombé sur pas mal de choses. Mmh. Voilà. C'est vrai que c'est une pratique, comment filmer donc ces vide-greniers, que j'ai découvert un peu sur le tard aussi, je crois que c'était à peu près à la même époque. Et il n'y en avait pas beaucoup à l'époque, et tout d'un coup, il y en a une chier, comme on le sait. Puis après, ce n'est pas forcément ce qui m'a le plus plu, oui, voilà. Ça a commencé comme ça, et puis après, ça a basculé sur d'autres choses. Il y a des gens qui faisaient des vidéos un peu plus, comme le joueur du grenier, des choses comme ça. Quoi. Ouais. Et Benzaï aussi. Ah oui, Benzaï, oui, tout à fait. Voilà, qui m'ont donné envie, pourquoi pas, de faire un petit truc, et puis de s'amuser surtout, voilà. Voilà. Donc il y a justement Charlie qui dit Lovecraft, j'ai toujours trouvé que tu avais des airs de JDG quand je tombais sur tes vignettes. Ouais, c'est... Mais c'est pas faux, hein. C'est pas faux. Il m'a maigri. Voilà, tu vois, si tu veux, je t'envoie la mienne. Si tu lui envoies ta chemise, on peut faire, voilà. Faire un montage. Hein. Attends, je vais essayer de me mettre. Non, il n'y a pas moyen. On s'est pas fait ça. Avec... Les deux caméras du dessus, là, ça serait parfait. Ouais, ça serait pas mal. Alors, je suis un peu plus vieux que lui aussi. Ouais, bon. Oui, ben moi aussi d'ailleurs, entre parenthèses. Mais ça ne nous regarde pas. Bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver. Hein. Donc, Stanlex 2, salut à toi. Okuto Jérém, salut à toi. Akiba 974, je le dis à la belge, et tant pis pour vous. Et donc voilà. Et donc, bienvenue à vous. Écoutez, franchement, merci pour un dimanche soir. Voilà, j'espère qu'il ne fait pas trop chaud. J'espère que vous avez un petit peu d'air frais en ce moment. C'est ce qu'on disait justement hors ligne, hors antenne, c'est qu'il a fait une chaleur à mourir. En tout cas, bon, c'est vrai qu'on a eu un hiver en même temps assez pourri, donc tout est relatif. et LMB Rétroplay, salut à toi. C'est surtout vrai. Deux passionnés qui partagent leur passion. Alors justement, Ripri, JDG et Benzaï. D'accord. Si tu veux, on creusera un petit peu, Stanlex. Vous aurez l'occasion de poser des questions, soit durant le live si on n'est pas beaucoup, soit vraiment à la fin si ça devient impossible. Mais bon, ça m'étonnerait. Donc vous aurez loisir de poser des questions. Nous, en tout cas, j'ai préparé quelques petites thématiques. Et donc pour rappel, j'ai rencontré à l'occasion de la Pixel Day 2019 Lovecraft et Real Cerber, donc Adrien ici présent, Stéphane et aussi Charlie d'ailleurs, mais nous on se connaissait déjà depuis 2018 par contre. Bref, justement, vous avez donc créé ce contenu, etc. Alors la question qui va peut-être un petit peu piquer dans cette thématique, mais c'est vrai que moi, c'est quelque chose qui me... Dion, mais 46 ans, c'est quelque chose qui m'interpelle. C'est quelque chose qu'on ne connaissait pas, et vous serez d'accord avec moi. Justement, vous montrez vos collections, vos nouvelles acquisitions au grand public, limite votre fortune, parce que oui, c'est vrai qu'il y a certaines pièces qui peuvent valoir quand même pas mal de pognon. Hein, c'est quelque chose qu'on a déjà discuté dans d'autres lives aussi. Est-ce que, d'après vous, la collectionnite ne devrait-elle pas être plus intime? Quelles sont vos motivations justement à partager vos acquisitions au grand public? Dites-moi un petit peu, défendez un petit peu ce. Ouais, non, mais c'est une bonne question en effet. Alors, après, comme je dis toujours, pour moi, toi, typiquement, je peux mettre 200 € dans un jeu.
Mais d'un autre côté, je ne fume pas. Enfin, il y a plein de choses que beaucoup de gens que je côtoie autour de moi aujourd'hui dépensent dans, je sais pas, des voitures, des trucs comme ça. Moi, je m'en fous des voitures. Enfin, tu vois, j'ai une Renault et ça me va très bien. J'ai pas besoin d'avoir une voiture, une BM ou quoi. C'est des trucs qui m'intéressent pas du tout. Voilà, je veux dire, l'argent, en fait, c'est là où tu le mets. Après, oui, c'est sûr que ça coûte un... certaines pièces coûtent cher, en effet. Mais je pense pas que ce soit. Enfin, ça dépend, en fait, où tu mets ton argent. C'est toujours pareil. Tout à fait, exactement. Après, ce qui est vrai aussi, c'est que bah, c'est sûr que si tu compares quelqu'un comme nous, on va dire qu'on a une quarantaine d'années, et un jeune qui a 16 ans ou qui a 20 ans, qui démarre dans la vie, enfin moi quand j'avais 20 ans, je gagnais le SMIC et forcément, je n'allais pas mettre 200 euros dans un jeu. Aujourd'hui, j'ai un peu plus de moyens parce que bah, j'ai progressé au niveau professionnel, donc je peux me le permettre. Mais bon, voilà, c'est une question aussi de moment T par rapport à combien tu gagnes, etc. Donc, pour répondre à ta question, pourquoi est-ce que je me suis mis à présenter un petit peu tout ça? Bah, il y a plusieurs aspects, en effet. Le premier, c'était pour, à la base, essayer de faire découvrir des choses que je trouvais peu mises en avant. Là, aujourd'hui, enfin, quand je regarde un petit peu l'évolution des choses, et je suis assez contente de ça. Enfin, même il y a encore, tu parlais de là, je crois que j'ai lancé la chaîne, c'est ça, 2015-2016. Bah, au final, il y avait peu de, enfin, il y avait quand même, il y a encore, il y avait des forums Sega, etc. Mais je sais pas, Sega était pas forcément très mis en avant. On parlait beaucoup de Nintendo, beaucoup de Sony à l'époque. Et je trouvais ça un peu injuste parce que bah, moi, j'ai grandi avec Sega, j'ai baigné là-dedans, j'avais envie de partager. Cet amour que j'avais aussi de la marque et des différents jeux, des fois des jeux underground. Ça m'a permis aussi de partager ces éléments-là, de découvrir aussi des jeux, parce qu'il y a des jeux, même des jeux, tu vois, typiquement, si tu regardes un Shining Force, qui est un jeu, un RPG, sur Mega Drive, Shining Force 1 et 2, je l'ai fait, je crois de mémoire, c'était en 2000, 2017 ou 2018, donc relativement tard. Et en fait, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est d'échanger avec enfin, les gens. Que je rencontre en vrai ou virtuellement dans les chats, etc. Et en fait, on se dit, ah tiens, t'aimes bien les RPG, ben, ça serait cool que tu testes ce jeu. C'est vrai que j'avais pas testé Shining Force parce qu'à l'époque, il faut se souvenir que de mémoire, il est en full anglais. Donc voilà, je parlais pas anglais quand j'étais plus jeune. Et donc, ben, je m'y suis mis, j'ai joué, puis finalement, j'ai adoré. Enfin voilà, c'est vraiment ça, c'est-à-dire échanger avec les gens, découvrir des nouveautés, trouver des petites choses qu'on n'aurait pas pensé initialement. Et même en sortant du cadre Sega, tu vois, moi je connais pas grand-chose en PC Engine, et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on voit Lovecraft ou bien également LMB, bah, on parle justement de PC Engine. Bah, là, tu vois, je suis en train de regarder un petit peu le catalogue, découvrir un peu quelques jeux, voir si bah, ça me plaît ou ça me plaît pas, etc. C'est ça qui est intéressant dans cette démarche en fait de partage et on va dire de communication avec les autres. Donc voilà, c'est vrai qu'aussi on a toujours un peu cette image du mec un peu renfermé sur lui-même quand on parle de geek ou de gamer entre guillemets. Enfin, ça change, hein, mais moi je sais que j'ai grandi avec cette image-là, alors que bon, moi j'ai toujours été gamer, j'ai toujours revendiqué, j'ai jamais eu de soucis par rapport à ça. Mais c'est vrai que voilà, ça permet aussi de montrer qu'on peut tout à fait aimer le jeu vidéo, aimer même des choses un peu underground, parce que bah, aujourd'hui, il faut pas se leurrer, le rétro gaming, c'est underground, hein, on n'est pas sur du PES, du Call Ops ou quoi. Donc, on parle vraiment de trucs hyper nichés, ça permet de montrer aussi que voilà, on peut tout à fait être bien dans sa peau, avoir, enfin, être bien dans sa tête et pouvoir bien communiquer, pourtant aimer des vieilleries que souvent les gens trouvent désuètes. Donc voilà, c'est un peu long, désolé, mais voilà, c'était un peu Non, 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 mon c'est feedback. une réponse super complète, je te rejoins entièrement. Alors pour toi, Stéphane, la même question, si ça te va. Bah en fait, Adrien, il a pratiquement tout dit. Bah, je Il peux vient pas tout rajouter un de truc. dire. Le truc que je peux rajouter, Désolé. non mais c'est là le truc que je peux rajouter. Là, je parle pour moi, c'est que moi, depuis le début, même avant que je fasse la chaîne sur YouTube, ça me dérangeait pas d'acheter des jeux en version originale, soit japonaise ou américaine. Après, au niveau des prix, c'est vrai que bon, bah, comme le disait Adrien, moi c'est pareil. Quand j'étais gamin, je faisais beaucoup de copies. Hein, quand j'avais le Commodore 64, etc. Maintenant, j'ai plus de 50 ans, j'ai mon appart, etc. Je me fais plaisir. Je me fais plaisir. Et dans mes vidéos, en général, je montre les jeux, je parle rarement de prix, même si parfois je le dis, attention,
c'est un jeu qui coûte tant, etc. Mais je précise toujours que bah, y a toujours moyen de l'utiliser en faisant bah, utiliser l'émulation, tout simplement, si vous voulez y jouer. Mais ça, c'est pour moi, c'est important, je précise toujours bien. Après, évidemment, moi, il y a des pièces, bon, là, j'en ai acheté une qui était assez importante, mais c'est assez rare, bah, en fonction de, bah, d'argent que j'ai au moment, quoi, tout simplement. Je ne vais pas me foutre la vie en l'air pour un jeu vidéo, c'est hors de question. Et voilà. puis il y a des choses qui, pour moi, sont beaucoup plus importantes, mais parfois, montrer aussi un jeu, c'est aussi partager et dire, bah voilà, ce jeu-là, il vaut vraiment le coup. Bah, si vous ne pouvez pas vous l'acheter, bah, c'est pas grave, il y a l'émulation, il y a toujours moyen de trouver une solution ou de vous acheter une mini-console, etc. Bon, sur ce qui est Sega Saturn, c'est un peu compliqué, parce que l'émulation est un peu compliquée sur cette console-là. Ouais. Tu peux graver tous les jeux Saturn, et si tu as une puce, tous les jeux gravés passent sur Saturn. Oui. Donc, voilà, c'est ça. Même sur Saturn, en vrai, c'est pas une excuse. Enfin, si vraiment tu veux jouer, et uniquement jouer, tu peux tout à fait le faire sur Saturn. Je pense que de toute façon, les gens les plus jeunes en ce moment qui veulent jouer, c'est beaucoup plus facile que nous à l'époque, où il fallait graver, il fallait faire des copies. Ouais, ouais, ouais. Il n'y avait pas Internet, c'est-à-dire qu'il fallait connaître les gens. Qui avait la même passion que toi. Donc là, qui savait surtout extraire les ISO, parce que là aujourd'hui tu vas sur Internet, tu as les ISO à disposition. Enfin, là je me suis fait une liste, parce que moi j'ai chopé pareil, toi, ce que je montrais là, une petite machine qui permet de faire de l'émulation. C'est à cause de ce monsieur d'ailleurs, parce que moi je veux pas non plus acheter des jeux à 500 balles sur PC Engine parce que ça m'intéresse pas. J'ai envie de découvrir le support, mais j'ai pas envie de collectionner dessus. On pourra peut-être parler de la différence si vous le voulez. Oui. Mais voilà, aujourd'hui, tu veux choper toute la ludothèque PC Engine. En une heure, tu as tous les jeux PC Engine disponibles. Et pareil sur PlayStation, Dreamcast. Hein. Alors qu'à l'époque, il fallait trouver quelqu'un qui avait le jeu, qui savait de faire un ISO du jeu. Déjà, c'était pas évident. Il fallait avoir les outils pour le faire. Il fallait la machine pour le faire. Il fallait le copieur. Fallait se rappeler qu'on avait quand même des CD-ROM en 4 fois à l'époque, hein. Et ça, quand tu devais copier un jeu, ça prenait 25 minutes. C'était pas du tout le même café. Enfin, moi, j'ai aussi fait des copies, hein, à une époque, notamment PlayStation. On était sur un. Là, aujourd'hui, c'est vraiment facile de jouer à n'importe quel jeu, quoi. Absolument. Et en plus, présenter des jeux, je trouve que parfois, il y a des gens qui connaissent pas forcément. Le premier, les chaînes YouTube que je regarde, c'est parfois aussi pour découvrir des trucs. Ouais. Et puis après, on a la chance, quand ça se passe bien, de rencontrer les gens en question. Ça se passe, comme par exemple avec Adrien. Moi, là, c'est qu'à Saturn, j'étais resté à la version PAL. J'avais quelques jeux en Jap, mais il y a des choses que j'ai zappé complètement. Mmh. Et puis, c'est en parlant avec des gens comme Adrien que je découvre des jeux. Et puis, et voilà, quoi, on est tenté par. Je détériore les relations avec son banquier. Mais bon, voilà, il faut faire attention. Et puis, mais le but de la chaîne, enfin des chaînes, c'est justement de montrer un petit peu les jeux et puis, de faire découvrir les jeux japonais, par exemple. Parce que. Oui. Moi, quand j'ai commencé les colis du Japon, c'était pas forcément, ça marchait pas forcément. Et puis, moi, c'est ce qui me plaît parce que c'est ce que j'aime faire le plus dans la chaîne. Et ça, on va y revenir justement tout de suite après. Et ça permet de découvrir non seulement le jeu, mais la façon comment c'était vendu, les boîtes, expliquer que c'était en 60 Hz, qu'il y avait pas de bande dégueulasse en haut et en bas. Voilà, que c'est aussi. Bon, il y a des choses comme ça que beaucoup de gens connaissent, hein, mais il y a aussi des personnes qui ne le savent pas. Et puis ça permet aussi parfois, en jouant en version Jap, d'avoir des prix sur certains jeux, bien sûr, un petit peu moins chers que les versions PAL, tout simplement. Et puis, tout à fait. Alors, ce sera justement un des sujets, une des thématiques qui me tient à cœur. On en avait justement parlé à la Pixel rapidement. Alors justement, vous avez déjà un petit peu répondu, vous, à cette question, prochaine thématique, on va dire. Comment est-ce que vous appréhendez la collection? Est-ce que vous achetez de manière compulsive ou réfléchie, ou alors est-ce que vous faites de l'acquisition de temps en temps de telle ou telle pièce au petit bonheur, la chance? Est-ce que vraiment, voilà, vous êtes en mode cool, ça arrive, vous cherchez quelque chose de précis ou pas? Comment ça fonctionne? Adrien, est-ce que tu veux peut-être commencer? Moi, ça a vachement évolué, en fait. Moi, il faut savoir que j'ai commencé à collectionner. J'ai vécu à Paris pendant longtemps dans un petit appartement. Une console, et je changeais de console quand il y en avait de nouvelles qui sortaient, et j'achetais quelques jeux. Donc, une ludothèque très, 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 très maigre. Et puis, quand on a acheté l'appart ici, donc en banlieue parisienne, avec une belle superficie, j'ai eu la chance de pouvoir me remettre tout doucement à collectionner. Donc,
J'ai commencé plutôt en vraiment avec de l'achat compulsif, c'est-à-dire vraiment, je voulais absolument découvrir la Dreamcast parce que c'est une console que j'avais pas eue à l'époque. J'avais pu y jouer chez un pote, mais moi je la possédais pas. Et j'avais joué peut-être à, je sais pas, 5-6 jeux sur la Dreamcast à l'époque, donc au début des années 2000, parce que j'étais passé sur PC principalement pour rien cacher. Et donc j'ai acheté, je sais pas, peut-être en un mois, une vingtaine de jeux. J'ai bouffé les 20 jeux. Et puis j'ai commencé à acheter pas mal de jeux vraiment sur Dreamcast, sur eBay notamment. Et puis je me suis dit bon, acheter les jeux sur eBay, même en 2015, c'était quand même assez cher. Donc je me suis dit comment est-ce que je peux faire pour trouver des jeux et que ça me coûte moins cher. Ben je me suis dit tiens, c'est vrai qu'en vide-grenier, je pourrais en trouver pas cher. Et alors là, j'y suis allé et en vrai, en 2015, on trouve encore énormément de choses. Pourtant, j'y allais pas si tôt que ça. J'y allais vers 8-9 heures, tu vois. Mais je trouvais notamment beaucoup de jeux Dreamcast, PlayStation 2, PlayStation 1. Enfin, j'ai trouvé énormément des jeux Mega Drive également. Enfin voilà. Donc ça, c'était une première phase où on va dire j'ai acheté un peu tout et n'importe quoi, si on peut parler ainsi. Ensuite, la deuxième étape qui est revenue assez rapidement, je dirais au bout de quelques mois, ça a été de me dire bon ben ok, la Dreamcast c'est cool, mais ce qui me manque en fait vraiment, c'est les jeux que j'ai eu à l'époque et les consoles que j'ai eu à l'époque. Donc j'ai rechopé un peu les différents titres et consoles que j'avais. Et là, c'était beaucoup plus ciblé. Et puis au fur et à mesure, bah, j'ai vraiment retrouvé cet attachement. Et c'est un peu difficile à exprimer comme sensation. Mais je trouve que quand je joue sur une Mega Drive ou sur une Saturn, je retrouve des, comment dire, des sentiments que j'avais à l'époque et que je retrouve pas du tout sur une console moderne. Enfin, tu vois, la dernière console que j'ai, c'est PS3 et Wii U. Mais sur PS3 et Wii U, il y a des jeux sympas. C'est très sympa à faire ces jeux et tout. Mais j'ai pas le même feeling, j'ai pas les mêmes sentiments. Et donc, Non, c'est parce qu'on en parlait, on en avait parlé justement lors d'un live avec Axel et je... Alors c'est vrai que c'est de GHM et c'est vrai que actuellement les jeux, c'est vrai que on pourrait y revenir après, hein, parce que je vais pas te couper non plus. Techniquement, c'est vrai que ça déchire. Aujourd'hui même, hein, tous ces jeux qui arrivent, etc. Ben, ça déchire, ça dépend, tout est relatif aussi. Mais c'est surtout, moi, je trouvais que les jeux actuels, alors même si il y en a qui arrivent à compter justement une histoire de manière vraiment, vraiment intelligente, c'est vrai qu'il y a peut-être ce petit côté artisanat, peut-être ce côté âme, tu vois, c'est un peu comment est-ce que je pourrais dire, c'est un peu le rapport aux vieilles voitures. Alors justement, on parlait de ça à la Pixel aussi, hein, le fameux rétro, au niveau avec toi justement, Adrien, les vieilles voitures vraiment d'avant, les années je sais pas moi 80, tu vois, plus 70, 60, 50, elles ont une âme, tu vois, ces bagnoles, quand tu les vois, elles vivent encore. Les voitures actuelles, elles peuvent être les plus modernes, les plus jolies, tout ce que tu veux, ça dégage rien du tout, quoi. C'est une question, en fait, de génération et de souvenir, en fait. Voilà, je crois que c'est ça. Je pense que les jeux ne sont pas meilleurs ou pires aujourd'hui. Non. C'est juste que nous, on a découvert le jeu à une autre époque où il fallait utiliser son imaginaire pour imaginer l'histoire, l'évolution de l'histoire, etc. Aujourd'hui, les jeux sont super. Et je pense que si tu demandes à un gamin de 15 ans ce qu'il pense du jeu, il va dire c'est génial, et tout, etc. Mais en fait, nous, on a grandi avec une façon de voir le jeu vidéo aujourd'hui qu'on ne retrouve pas, en fait, dans le jeu d'aujourd'hui, je pense peut-être. En tout cas, certaines personnes, moi, c'est mon cas. Hein. Moi, je joue quasi pas à des jeux modernes, à part un peu sur PC de temps en temps. Mais et donc voilà. Donc, je pense que c'est une des raisons pour laquelle aujourd'hui on a cet attrait, on va dire, sur le rétro gaming. Et c'est aussi pour ça, je pense qu'à un moment, ça va s'amenuiser cette hype du rétro gaming, parce que on vieillit tous. Peut-être que certains vont plus avoir envie d'avoir tout ça chez eux et d'avoir d'autres choses. Enfin, tu vois, donc. Oui, je pense dans la génération peut-être suivante. Mais cela dit, ça pourrait faire partie d'un autre sujet. Ce qui est génial, c'est que nous, notre génération à nous, alors moi, j'ai pas d'enfants, mais vous avez peut-être des enfants, toutes les personnes, en tout cas de notre âge, entre guillemets, 30, 40, et voire plus, ont peut-être de la famille, des enfants, avec qui ils font redécouvrir justement ce rétro. Et c'est là que je trouve ça plutôt, comment est-ce que je vais dire,
Enfin, c'est super. En même temps, bon, ça peut paraître vieux con aussi. Ce serait justement, voilà, le papa ou la maman, hein, joueuse aussi, pareil, qui dirait, voilà, c'était mieux avant. Tiens, il y a que ça. Il faut surtout pas regarder ce qu'il y a de moderne. Non, non. Voilà, il y a une liberté aussi à donner aux enfants. Mais simplement, le fait de parler ou de encore mieux de ça, les faire jouer à des vieux jeux pour qu'ils comprennent ce qu'étaient les jeux peut-être avant, même s'ils n'ont pas cette notion du avant. Je trouve ça quand même top parce que, mine de rien, on le sait très bien, les premières années dans l'enfance sont les primordiales, ce sont les plus importantes au niveau des souvenirs. Adolescents aussi, bien sûr, mais après, tu vois ce que je veux dire, ça, c'est différent. Mais enfant, on enregistre beaucoup plus d'images, de voilà, on en reparlera justement après du 60 Hz. Mais c'est vraiment ça, c'est vraiment super important. Donc, eux, peut-être, reperpétueront peut-être via l'émulation, peut-être, puisque de toute façon le hardware est en train de crever petit à petit. Alors Stéphane, dis-moi un petit peu toi ton avis sur la question. Au niveau des achats, je suis acheteur compulsif. Oui, voilà, comment ça, oui, pas spécialement, mais ça, c'est voilà. Oui, ça m'arrive. Mais en fait, moi, quand j'étais gamin, j'avais très peu de jeux. Parce que ça coûtait cher et puis il y avait moins de jeux aussi qui sortaient. Enfin, c'était souvent un cadeau d'anniversaire ou un cadeau de Noël, tout simplement. Et puis, en fait, j'ai eu tous les micro-ordinateurs de l'époque, hein, que tu as dû connaître, hein, Commodore 64, etc. Ouais. Et en fait, à chaque fois, je revendais au fur et à mesure toutes mes bécanes. Et c'est au moment que j'ai commencé à travailler où j'ai commencé à garder les jeux. Donc, c'est à partir de tout début des années 90. Donc, j'ai eu la bonne idée de garder. J'avais du mal à revendre mes jeux de toute façon. À cette période-là, parce que je commençais à travailler, puis voilà, j'ai gardé mes jeux. Donc ça m'arrive d'acheter maintenant, moi je suis toujours acheteur, hein, de consoles modernes, j'ai toujours envie de rester dans le truc, parce que je reste toujours, parfois, jeune. Pas émerveillé, mais j'aime beaucoup les technologies qui arrivent. Moi je me suis éclaté avec le VR, j'attends avec impatience le VR2, tu vois. J'ai la PS5, parce que j'ai envie de rester, parce que ça me plaît tout simplement. Alors je ne vais pas dire que je joue, parce que j'ai beaucoup moins de temps aussi pour jouer, mais quand je vois une belle pièce ou une version connecteur qui m'intéresse, oui, ça m'arrive d'acheter, je ne vais pas dire sur un coup de tête, parce qu'il ne faut pas non plus exagérer, je ne vais pas faire n'importe quoi. Voilà. Mais voilà, quand je vois une belle pièce japonaise, comme là j'ai eu récemment, je craque, parce qu'en plus ça tombait bien, je venais d'avoir une prime, donc c'est bien tombé, quoi. Donc voilà, et je ne pouvais pas rater, c'est des choses que je voulais dans ma collection, c'est à cause d'Adrien d'ailleurs, parce que c'est de la Sega Saturn, mais voilà, quoi. Je suis tombé dedans dans le jeu vidéo il y a très longtemps, et puis je peux pas rater des choses, quoi. Il y a des choses que j'ai envie d'avoir. Alors, bien sûr, pas toute ma situation bancaire complètement, voilà, c'est pas bon style du tout. Mais quand je peux pas, et puis c'est tout. Sinon, il y a longtemps que j'aurais acheté tous les jeux Sega Saturn qui me plaisent. Et quand j'ai une, en plus j'avais une bonne opportunité et ça s'est fait. Puis voilà, quoi. Mais maintenant, quand tu parles de génération, moi je suis pas persuadé que les plus jeunes vont collectionner, parce qu'on les conditionne à acheter en démat. J'ai des petits neveux qui, quand ils jouent, ils veulent le jeu tout de suite. C'est-à-dire qu'ils appuient sur le bouton, ils téléchargent, paf, et puis on joue. De toute façon, il ne faut pas se leurrer. C'est ce qu'on va nous proposer, c'est ce qu'on nous propose déjà maintenant. Oui, déjà. Ouais. Quand tu vois le Game Pass, c'est ça. Et puis le Game Pass, c'est la suite logique, ce sera le streaming, hein, de toute façon. Je reste persuadé que pour moi, il y aura une option sur un téléviseur dans 5-10 ans, où tu pourras, un peu comme Netflix, picorer le jeu vidéo sur ton écran, et t'achèteras peut-être ton écran Samsung ou je sais pas quoi, avec une manette pour pouvoir jouer au dernier truc qui va sortir sur le Game Pass, par exemple. Donc, plus que probable, en effet. Je sais pas ce que ça va devenir, le rétro gaming, j'en sais rien. Après, puis en même temps, je m'en fous un peu, quelque part, parce que moi, c'est des choses que j'ai envie de garder. Après, ce que ça deviendra, ça, c'est autre chose. Mais le faire partager, oui, je le fais partager, hein, quand je peux, mais je ne suis pas joueur de Fortnite, donc je ne peux pas... Ouais, c'est ça, voilà. Moi, j'ai testé, hein. Je peux tester aussi. Je n'ai rien contre Fortnite, parce qu'en fait, chaque génération a son jeu.
et je peux pas critiquer Fortnite, c'est pas possible. En plus, le jeu, quelque part, il est pas forcément foncièrement mauvais, quoi. Au contraire, puisqu'il y a tellement de gens qui jouent avec. Ce qui est un petit peu dommage, c'est que les gens ne jouent qu'à ça. C'est ça qui m'ennuie un peu. Comme c'est les gens ça, qui jouent qu'à FIFA ou qui vont jouer qu'à Call of et qui s'ouvrent pas sur autre chose. Voilà, c'est un petit peu dommage. Mais après, bon, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je sais que quand... Quand j'avais un magasin à l'époque, j'ai eu un magasin de jeux vidéo au début des années 90, il y avait un jeu qui me bottait pas du tout, c'était NBA Jam. NBA Jam, déjà le jeu de sport en règle générale, voilà. Et NBA Jam, c'était un gros carton à l'époque, et je me souviens que les gamins, ils étaient complètement fous de ce truc-là, quoi. Et moi, j'adorais. Oui, non, mais je le comprends très bien maintenant. C'est pour ça que je ne peux pas critiquer ou dire tel ou tel jeu, c'est pas bon, il ne faut pas y jouer. Non, c'est une question de génération. Et puis après tout, c'est du jeu vidéo, il faut le prendre comme ça, quoi. C'est comme ça que je le fais. Tout à fait, absolument. En tout cas, écoute, merci pour ta complète réponse complète. Oui. Voilà, en tout cas, c'est très très complet. Très très bien répondu, franchement. Rien à dire. Alors, il y a Choco Joka qui est justement dans le chat. S'il veut, il peut venir nous rejoindre. Hein. C'est vraiment quelqu'un que j'avais envie d'avoir, puisque il vous rejoint. Je trouvais qu'il vous rejoignait justement dans la démarche, notamment. On se voit quasi tous les mois. Voilà. Mais jusqu'à présent, il avait une connexion de merde. Donc maintenant, apparemment, il a déménagé, c'est pour ça. Mais ça semble apparemment rétabli. Donc en tout cas, c'est comme tu veux, Choco, tu viens, je t'ai envoyé le lien, c'est comme tu veux, tu fais comme chez toi. Tu passes ou pas, c'est pareil. Mais en tout cas, ça me fait vraiment plaisir. Mais justement, c'est pour ça que je voulais l'avoir, ça aurait été cohérent avec vous deux. Bon, bref, c'est comme ça, hein, c'est la technique. Alors effectivement, justement, on parlait de collection. Alors c'est vrai que vous, toi tu as commencé, Adrien, aussi à parler de... Tu nous disais au début du live que tu présentais des mangas, etc. Il y a quelques figurines aussi, hein, pareil avec Stéphane, des mangas, etc. Vous êtes un petit peu finalement sur plusieurs, on va dire, plusieurs critères de collection. Mais pour revenir plutôt au jeu, quels sont justement vos critères de collection? Est-ce que vous avez déjà, par exemple, la question simple, est-ce que vous faites un full set, par exemple? Pas du tout? Pas du tout. Pas du tout. Stéphane non plus? Ok, pareil. Non, c'est... Okay. Enfin, encore une fois, je ne critique pas le fait de... Chacun fait ce qu'il veut. Quoi. Mais le full set, je trouve ça t'oblige à t'acheter des jeux qui sont pourris. Quoi. Oui, d'accord. Ce qui ne t'empêche pas d'acheter des jeux pourris aussi de ton côté, hein, ce n'est pas le souci. Hein. Mais ça t'oblige à acheter des jeux qui ne sont pas forcément intéressants. Et ça, bon, après, encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. C'est comme les gens qui collectionnent le sous-blister. Bah, tant mieux. Moi, j'aime bien avoir le truc et puis l'ouvrir et regarder ce qu'il y a dedans. Enfin, voilà, chacun fait ce qu'il veut. C'est comme toutes les collections. Oui, bien sûr. Son niveau. Mais moi, le full set, c'est pas trop mon truc. À la limite, c'est plutôt le full set des shoot 'em up, par exemple, tu vois. Ça, oui, logique, une licence par exemple, voilà, Zelda ou le full set des jeux, je sais pas moi, voilà. Technosoft ou j'en sais rien. Des jeux Shoaniki. Voilà aussi, si tu veux. traduction, c'est quoi ça, Adrien, comme... Ah, c'est des jeux un peu, on va dire, comment est-ce qu'on pourrait... Un peu coquin, c'est ça? Non, ouais, c'est coquin gay en fait, coquin gay. C'est des jeux qui plaisent beaucoup à Colic Fantastique. Ça peut, voilà. Avec des hommes musclés en string et avec le corps huilé. Imagine des bodybuilders avec le corps huilé en string et qui tirent des boulettes avec sa bite. Voilà. Ça tombe bien, j'ai justement de l'huile ici, c'est pas une blague en plus. Vas-y, mets-toi torse nu et on lance le YouTube game Shoaniki, c'est parti. Non, ça c'est contre les piqûres de moustiques, ça fonctionne très bien, c'est de l'huile végétale à base d'abricot. Comment tu dis, Stéphane? Je laisse le soin de découvrir Shoaniki après le live. Déjà dans le mot Shoaniki, il y a le mot show, quoi, voilà. Donc, ouais. Bon, c'est, voilà. C'est très japonais, d'accord. Ben, j'irai voir. C'est vrai qu'il y a un jeu comme ça qui vous m'interpellez effectivement avec des digits comme ça, assez pourris. C'est ça. Oui, d'accord. Digit, okay. Ouais, exactement. C'est un jeu je vois. Ok, je vois ce que tu veux dire. Alors. Donc, Choco, je t'ai envoyé le lien sur Facebook. Je ne sais pas si tu as vu mon lien. Choco, c'est quand tu veux. Hein, si tu peux passer même 2 minutes hein, pour nous faire coucou, c'est quand tu veux, quand tu peux. Donc, je disais, oui, donc finalement, au niveau des full sets, ça, c'est réglé. Au niveau de nos collections, je crois que tu as déjà répondu, Stéphane, en partie. Effectivement, tu n'es pas parti sur le blister, etc. Mais comment, justement... Alors,
restiller mon petit copion. Qu'est-ce qui est plus important pour vous dans la collection? Est-ce que justement c'est l'état du jeu, est-ce que c'est la rareté, ou encore une fois, au final, c'est juste jouer et puis point quoi? Non, pour le coup, je me permets de prendre la parole, Stéphane. Vas-y, oui, vas-y. Pour le coup, moi, c'est vraiment l'état. Je suis hyper méticuleux sur l'état du jeu. Quand dans la collection, je parle. Hein. C'est-à-dire, hein, les jeux qui sont là. Vraiment, je fais hyper attention à ce qu'il soit complet déjà. Ça, c'est, on va dire, le premier point. Qu'il soit pas sun fade, deuxième point. Qu'il n'y ait pas de cornure sur les covers, troisième point. Idéalement, que le manuel soit en très bon état, que la cartouche soit pas décollée sur la Mega Drive. Enfin, voilà, ça, c'est vraiment un critère important dans la partie collection. Okay. Et je pense que j'imagine que toute personne qui collectionne, idéalement, s'il peut avoir le jeu dans un état très, très propre, forcément, c'est ce qu'il recherche. Donc, moi, ça, c'est le premier point. Après, ça va être la pertinence du jeu, c'est-à-dire est-ce que c'est un jeu que je connais bien et qui me plaît ou pas? Est-ce que c'est un jeu que j'ai eu dans mon enfance ou pas? Voilà, ça va être des éléments qui vont décider si je vais le prendre ou pas. Et enfin, oui, la rareté aussi, faut pas se leurrer. Quand t'as une belle collection, enfin, tu vois, là, on voit pas très bien, mais là, j'ai, il y a du Dragon Ball, ça, c'est, et Arrow Flash, c'est pas du tout rare. Mais tu vois, je mets en avant, je sais pas, un Musha à l'Est, un Captain Lang japonais. Bah ouais, c'est des jeux qui sont certes très bons, mais qui en même temps sont très rares. C'est vrai que quand j'ai des gens qui viennent à la maison et qu'on fait un petit tour dans la gaming room, bah, les premiers jeux sur lesquels ils vont s'arrêter, c'est en effet les jeux qui sortent un peu de l'ordinaire et qui sont un peu rares. Et c'est un peu une fierté aussi d'avoir des pièces comme ça qui sont pas forcément, on va dire, simples, qu'on voit pas tous les jours, voilà, pour faire simple. Donc, ça fait aussi plaisir d'avoir ce genre de pièces et de pouvoir les exposer dans sa collection. Donc voilà. Et bien sûr, alors, ça c'est sur l'aspect collection. Et oui, sur l'aspect jeu, ça va être plutôt les qualités du jeu. Est-ce que le jeu il est bon? Est-ce que j'ai un feeling avec lui? Est-ce qu'il fait partie du type de jeu? Ben, moi, j'achète pas de jeux, par exemple, de voiture ou très peu, à part les jeux que j'ai eu à l'époque. Je suis pas non plus un grand fan. Enfin, en gros, je vais acheter du shmup. Je vais acheter quelques RPG, mais de moins en moins pour le coup, parce que j'ai moins le temps de jouer de manière globale. Et après, jeu de plateforme et jeu de réflexion. Salut Choco. Ok. Et nous avons, messieurs, j'avais pas dit messieurs, dames, mais messieurs tout court, vraiment le. Ça, c'est la joie. À cause des cheveux longs, ça. C'est la joie. Le messieurs, dames, c'est à cause des cheveux longs. Non, j'ai pas fait exprès. Choco Zoka qui nous rejoint. Ça, c'est une grande première parce que c'est vrai que ça faisait déjà un petit temps que je l'enquiquinais pour qu'il vienne nous rejoindre lors d'un live. Alors, c'est vrai que ce live devait se faire déjà il y a plus d'une semaine, hein, mon cher Stéphane. On a moult fois remis et puis, donc, finalement, comme quoi, vient à point à qui c'est attendre. Et c'est donc le cas pour cette soirée. Merci Choco, comment vas-tu? Ça va très bien. Mais on t'entend super, oui, on t'entend super en plus, et on te voit bien effectivement avec les longs cheveux. Alors, bah oui, ça me fait plaisir de te revoir aussi, on s'est tous rencontrés finalement, toujours au même endroit, hein, à la Pixel Day 2019. Et alors, effectivement, mais tant qu'à faire, tiens, comme ça, de but en blanc, toi, qu'est-ce que tu en penses de cette question, Choco, que tu n'as peut-être pas entendu, donc je vais la répéter. Ta collection, comment est-ce que toi, tu l'appréhendes justement, alors, quels sont tes critères, toi, vis-à-vis de ta petite collectionniste? Alors, je ne crois pas que tu fais de full set non plus. Non, pas de full set. Ok, magnifique. Donc, vous êtes effectivement tous les trois sur le même diapason. C'est génial. Je le savais. Hein. Et donc, effectivement, Choco, toi, tu... alors, quels sont tes critères de collection? Est-ce que le jeu doit être parfait? Est-ce qu'il doit y avoir la notice? Est-ce qu'il doit être complet? Ou est-ce qu'encore une fois, au final, juste le jeu, point barre? Sur du rétro, je pense que je suis un petit peu comme Adrien, où je fais attention sur la qualité, l'état. Okay. La rareté, je m'en moque. Mm-hmm. Le prix aussi, je vais pas mettre des milliers de cents dans un jeu. Ouais. Moi, ça fait un moment que j'avais pas de connexion Internet, donc la collection, j'ai bienvenue. J'ai pris un peu de recul. Bienvenue. Je pense que j'ai fait un peu la part des choses sur le rétro. Il y a des choses qui sont très bien émulées, qui ne prennent pas de place. Ouais. Émulées, donc j'ai commencé à me séparer de un peu de pièces. Mmh. Il y a des choses que je garderai, mais en fait, je me dis que les mètres cubes ne sont pas extensibles. Non, ouais, c'est un problème. La collectionnite, ça va 5 minutes. Ouais. Et j'aurais pas le temps de jouer à tout.
Je me suis rabattu un peu sur les mangas, là, ça fait 6 mois, et ça aussi, ça prend pas mal. Ça prend aussi beaucoup de place. Ouais, je connais aussi. J'ai aussi une bonne collection, pour le coup. Ouais. Mais ça va, j'ai un objectif sur cette partie-là, donc bon, je ne peux pas être à l'infini comme sur les jeux. Sur les nouveaux jeux, je suis beaucoup plus sélectif. Et puis, de toute manière, comme les jeux ont tendance à être as a service, ouais. Je me pose de plus en plus la question d'acheter les boîtes en physique, puisque de toute manière, à peine arrivé, tu as un patch. Ouais, bah, c'est ça. Quand Stéphane parlait du stream, en fait, là, j'ai vu l'annonce là, sur Xbox de Flight Simulator, qui est, on ne peut pas forcément considérer ça comme un jeu, où ils évoquent le stream côté serveur. Je pense qu'on y arrive petit à petit. Oui. Tout à fait, oui, tout à fait. Donc bon, maintenant on n'a jamais un jeu qui est un produit fini. Il y a toujours une mise à jour. Je dirais qu'il y a encore la Switch qui résiste un petit peu, qui n'a pas trop de mise à jour, on va dire. Il y en a quelques-unes. Il y a des mises à jour, mais elles ne sont pas forcément indispensables. Pas indispensables, non, non, non. Voilà. Voilà. Après, plus ça va, moins les nouveaux jeux m'attirent. Si ce n'est ce que j'appelle les jeux pop-corn, où c'est spectaculaire, où ça pète dans tous les sens. Ouais, là, ça peut valoir le coup. Mais bon, Choco, attends de retourner au Japon, on en reparlera. Putain, arrête, je suis super frustré. Je suis super frustré. Hein. Oui, je sais. On en reparlera de ça, justement, par rapport au voyage. Pas tenté, quoi. Ouais, j'en peux plus. Hein. Alors, tant qu'à faire, puisque Choco, tu rebondissais un petit peu sur les mangas, c'est très intéressant. Il y a une question qui me vient comme ça, voilà, tout simplement. Et c'est vrai que vous lisez, je pense. Toi, Stéphane, tu lis aussi des mangas, c'est un peu ton truc aussi, je pense. Alors, hein, voilà. J'en lis quelques-uns, mais moi, je suis plus de la génération comics. Par Strange, Spécial Strange, enfin, des trucs plus américains, mais ça ne m'empêche pas de lire du manga, hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Pardon. Non, vas-y. Il y a chaque fois un petit décalage. Justement, Choco, toi, tu parlais de murs qui ne sont pas extensibles, ça c'est clair. Les mangas, effectivement, ça prend de la place, on le sait. La seule différence, c'est qu'il n'y a pas de mise à jour, sinon d'avoir une bonne vue pour pouvoir les lire. ça, c'est encore autre chose. Est-ce que le manga, est-ce qu'on peut y revenir? Alors, justement, une collection de mangas, oui, c'est super. C'est vrai qu'il y a quelques mangas que je ne séparerai pas. J'en ai pas tant que ça, mais quand même, il y en a quelques-uns que je garderai. Par exemple, les City Hunter, hein, notamment. Mais est-ce que, d'après vous, est-ce qu'on peut y revenir sur un manga comme on peut revenir à un jeu? Parce que je sais qu'il y a des gens qui refont des jeux. Moi, ça me tente parfois de refaire des jeux, même si c'est vraiment, chronophage, dans le sens que, par exemple, j'avais envie de me refaire un Soul Blazer, si je dis pas des conneries. Et je sais que c'est long et... Et voilà, et autant j'ai pris du plaisir à l'époque, autant c'est vrai que je voudrais y revenir aussi, mais en même temps, il y a d'autres jeux à terminer ou à commencer à découvrir. Et est-ce qu'un manga, d'après vous, là c'est vraiment une parenthèse, est-ce qu'on peut revenir sur un manga ou alors dès que c'est lu, puis point barre, on garde finalement. Moi personnellement, j'ai du mal à revenir sur un manga, surtout aujourd'hui. Quand j'étais plus jeune, j'ai relu 10 fois, en effet, City Hunter, j'ai relu 10 fois les Dragon Ball, enfin voilà, tous les mangas que je lisais à l'époque. Aujourd'hui, tu vois, typiquement, là, je me suis enchaîné il y a 2 ans tous les One Piece, je ne m'amuserai pas à les relire, surtout qu'il y en avait déjà pas mal à l'époque. Pareil, les Berserk, enfin, tu vois, et c'est vrai que autant re-regarder, tu vois, là, avec ma femme, elle ne connaissait pas Berserk, on s'est rematé la série des 25 épisodes qui était sortie en 97. Ça va. Et ça m'a fait super plaisir de la revoir, et c'était absolument pas, enfin, j'ai adoré re-regarder la série une 4e ou 5e fois. Autant relire les mangas, non, je pourrais pas, tu vois, pour le coup. Ouais, c'est ça. Donc, et toi, Stéphane? Après, ça dépend vraiment des gens, je pense, c'est d'affinité au support, pour le coup. Ok, d'accord. Alors, moi, j'ai parlé de comics, hein, j'ai des trucs. Oui. C'est vrai que je les relis pas. C'est vrai, je les relis pas. Mais le fait de savoir que j'ai certains titres, ça me fait plaisir de les avoir dans ma collection. Les relire, c'est pas le cas. Je lis des choses qui sortent régulièrement tous les mois, quoi. C'est des choses qui m'intéressent plus. Après, ça peut être intéressant parce que t'as des histoires qui sont placés aujourd'hui, mais qui font appel à ce qui s'est passé antérieurement, ça peut être intéressant de relire certains trucs. Mais la totalité, non, c'est pas possible. J'achète beaucoup moins de choses au niveau bande dessinée. Ça prend énormément de place. J'achète encore quelques trucs, mais j'essaie d'avoir des trucs
condensées, enfin des histoires complètes pour essayer de garder la place quoi, qui manque. C'est toujours pareil. Okay. Hein, c'est toujours... Ouais. C'est qui revient encore. Et toi, Choco, qu'est-ce que tu penses Alors, moi, j'ai fait une pause pendant très longtemps sur les mangas. Ouais. Moi, je suis dans une phase de rattrapage. Et je pense que je vais prendre du plaisir à relire quelques œuvres que je n'ai pas lues depuis 5, 6, 7 ans. Okay, ok. Pour les redécouvrir avec un nouveau contexte, quelque part. Tout à fait. Un nouveau regard. Oui, un nouveau regard aussi. Hein. Voilà. Mmh. Moi, c'est aussi l'occasion de partager avec mes fils. Mmh. Là, typiquement, le hasard fait bien les choses. En ce moment, je lui ai fait passer ça, ce truc-là. Il y a mis, ouais. Mmh. Voilà, je lui ai dit, vas-y, lis ça, mon grand, tu vas voir, c'est pas mal. Bah, faut bien les occuper, hein, ils sont déjà en vacances. non, mais au-delà de ça, relire une œuvre comme One Piece, du courage. Oui, c'est long. Hein. J'ai lu, j'attends, j'attends la rentrée, parce que c'est des coffrets, je vais lire ça. Je pense que ça dépend vraiment de la longueur de l'œuvre aussi. Hein. C'est ça, voilà, c'est ça. Ouais. Maître mangaka. J'adore certains artistes. Mmh. Je suis toujours bluffé quand je vois les dessins. J'ai une grosse appétence envers cet art-là. Et pour moi, c'est un autre moyen d'aller m'évader dans l'univers japonais. Quoi. Mmh. Ok, ouais. C'est clair. Fait. J'ambitionne d'aller lire en VO. Bah, l'avantage en VO, c'est que eux, ils vendent toute la série d'un coup pour quasi rien. Donc ça, c'est vraiment ouais. Ça n'existe pas chez nous. Ouais. Et ça c'est vraiment génial pour le coup. Quand tu peux t'acheter pour 20-30 balles tous les tomes d'une série et que tu peux ensuite les enchaîner. Tu peux les acheter en bloc, mais ça va te coûter chaque fois à la pièce le prix coûtant. Il n'y aura pas de réduction. Je pense pas que ce sera pareil, parce que même si c'est très développé en France, parce que c'est le deuxième marché du manga, la France, je pense que la volumétrie est tellement différente avec le Japon. Enfin, au Japon, quand tu regardes ce qui se fait dans le comics, par exemple, où tu as chez Urban, ils ressortent des trucs Batman, des histoires qui sont sorties antérieurement, et puis t'as des gros pavés à 5 balles. Je pense que tu verras, in fine, je pense que ça fera aussi chez les mangas. Ça dépend des œuvres, en fait. Oui, ça dépend vraiment des œuvres, je pense. Il y a un moment, il faudra peut-être vouloir justement attirer un peu plus de nouvelles clientèles, entre guillemets. Et si tu proposes des compiles à pas très cher, ça peut être l'occasion justement de faire découvrir à moindre prix des œuvres qui sont sorties. Et sur Glocaz, vraiment, le marché japonais est vraiment différent, en fait. Pour une raison de place, déjà, d'une part. Faut savoir que eux, quand ils ont un truc trop volumineux, ils préfèrent que ça se parte même à 1 euro plutôt que de le garder, en fait, parce qu'en fait ça leur coûte trop cher de le garder dans le magasin, parce que ça prend la place pour quelque chose d'autre. On n'a pas du tout cette mentalité, en fait, en France et en Europe de manière générale. Et donc c'est pour ça qu'il y a cette philosophie de vendre des trucs très volumineux très peu cher pour faire de la place et pour pouvoir rentrer d'autres choses, en fait. Ouais, c'est la circulation. Il y a vraiment une économie circulaire au niveau de l'occasion au Japon qui n'a rien à voir avec ce qu'on voit en France. Là, je te parlais pas pour le coup. C'est des trucs neufs à 5 euros. Hein. Oui, mais sur du neuf, peut-être, ouais, pour le coup, peut-être. Ouais. C'est des choses qui sont sorties, justement, je risque d'en parler là, parce qu'il y a des choses qui sont intéressantes qui viennent de sortir. Même chez Panini, enfin chez Marvel, il y a des choses intéressantes pour pas très cher. Et on découvre une série complète, et je pense que c'est l'occasion. Moi, je parle de moi, hein. Il y a des choses que j'ai ratées. Il y a eu un moment où j'ai arrêté ça parce que ça me passionnait pas plus ça, puis j'avais plus de place. Et il y a des choses que j'ai ratées, et puis des choses qui sont vraiment très très bien, et qui sont vendues 5 balles. Quoi. Donc voilà, c'est correct. Et puis, c'est une histoire complète. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de t'étendre sur plusieurs mois. C'est pas forcément la même façon d'éditer les choses au Japon. Mais je pense que tu verras, in fine, je pense qu'il y a des éditeurs qui se diront, tiens, pour refaire découvrir... Ça se fait un peu, d'ailleurs. T'as des volumes, t'as des gros volumes de... Ouais, mais sur des grosses œuvres, sur des gros trucs, en fait. Bien sûr. Ouais, ouais. Sur du Naruto, c'est le problème, c'est que... Ouais, non, même sur des trucs, genre là, ils ont ressorti 20th Century Boys, donc j'en ai profité, d'ailleurs, pour m'y mettre, parce que voilà, c'est une super série d'Urasawa. Mais... ils le font, mais le problème, c'est... Enfin, tu vois, en gros, t'as, même si je sais que c'est faux ce que je dis, il y a plein d'autres maisons, mais tu as DC et Marvel
aux États-Unis. Et dedans, tu vas avoir plein de sous-marques, entre guillemets, avec des héros spécifiques. Au Japon, en fait, tu as énormément, enfin, c'est hyper éclaté, en fait, les maisons d'édition. Et en fait, tu as plein de maisons d'édition où ils n'ont plus les droits, etc. Enfin, il y a tout un système de droits vraiment très, très, très différent du comics, en fait, sur le manga. Il y a des mangas qu'on ne pourra plus jamais avoir parce qu'en fait, les droits, je crois de mémoire, il y avait eu un truc avec Maison Ikkoku, donc Juliette, je t'aime, où en fait, ils n'avaient plus les droits pendant longtemps, longtemps, genre pendant quasi plus de 20 ans, ils n'ont pas pu sortir les, je ne sais plus si c'était les DVD ou les mangas. Enfin, il y a vraiment un truc de droits très mangas, spécifique. Crois, ouais, c'était les mangas. Ça a été un peu le cas de Goldorak. Oui, mais Goldorak, Cobra, tous ces trucs-là, ça a été un peu particulier. Ouais. Enfin, voilà, on a un peu dévié du sujet initial, mais je pense que c'est intéressant. C'est très intéressant. Choco voulait rebondir aussi sur la partie manga, je pense. Ouais, parce que en fait, je pense que c'est plus facile d'accès. Les pro comics me contrediront certainement, mais c'est peut-être plus facile de rentrer sur manga parce que t'as des séries finies, t'as une œuvre de A à Z, tu sais combien t'en as. T'as pas de référence à 36 000 arcs qui ont été faits il y a quelques années. C'est vrai. Ça c'est plus simple sur le marché de l'occasion. D'ailleurs, le manga s'est structuré depuis le premier confinement comme le marché du jeu vidéo. C'est devenu juste la folie furieuse sur l'occasion. Et les mangas, le papier, ça vieillit plus vite peut-être que les jeux. Donc ça aussi, ça prend à peu près la même tournure. J'ai vu que là, il y avait des versions collector de mangas qui étaient pris d'assaut par des robots, qui étaient revendus sur Vinted. The One Piece numéro 100, par exemple. Que j'ai pas pu avoir non plus. C'est juste, j'ai assez halluciné quand j'ai vu ça. Ouais, c'est fou, moi aussi, je m'attendais vraiment pas à ça. Moi non plus. Et pour avoir remis le nez dedans, là, je trouve qu'il y a des séries qui sortent un petit peu du lot. Alors, moi, je suis en train de me refaire, en fait, pas me refaire une collection, mais plutôt faire l'acquisition de vieilles séries que j'avais pas pu acheter à l'époque parce que ça mettait trop de temps à sortir. Pas forcément très patient sur la sortie des mangas quand on a un tous les ans, etc. Voilà, donc là je me dis, allez, je me prends le full set entre guillemets et je me fais la série, donc ça c'est assez plaisant. Et je pense que là on a suffisamment d'années d'historique du marché du manga en France pour vraiment avoir une offre assez pléthorique. Ouais, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et je lis aussi du comics, mais j'ai un peu levé le pied parce que là pour le coup, au niveau volumétrie et poids, c'est pire encore. Voilà. Ok. Alors, Choco, justement, tant que je t'ai justement là, hein, parce que bon, tu restes avec nous jusqu'à la fin si tu peux. Si tu peux pas, tu fais ce que tu veux, en tout cas, avec tes cheveux, comme dirait une certaine publicité. Bah, alors, c'est de la vieille petite blagounette. À 2 cents. Alors, justement, tu parlais de voyage au Japon. Voilà, ça vous trépignez. Vous avez d'ailleurs tous été au Japon, hein, sauf moi. Voilà. Non, pas allé. Comment ? Non, je suis pas allé, moi. Ah, t'es pas allé, Stéphane, non ? C'est un amoureux des États-Unis, faut le savoir. Ouais. Je suis que du Japon. Mais j'aimerais bien aller au Japon. Hein, je pensais que tu avais d'abord été. Ok, je croyais que tu avais été, Stéphane. Excuse-moi, autant pour moi. J'y suis allé une fois, mais en transit, donc ça compte pas. Oui, ça compte pas. Justement, vous trépignez d'impatience, en tout cas, de pouvoir y retourner, si possible, hein, aussi. Mais par rapport justement à cette taxe qui va être mise en place. On va vite faire une petite parenthèse là-dessus parce que c'est un peu chiant. 1er juillet, alors il y en a qui disent que franchement, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, etc. En même temps, voilà, si ce n'est que la taxe, c'est pas grave. Si c'est la douane, c'est encore autre chose. Alors toi, justement, Lovecraft, Stéphane, justement, toi, tu commandes pas mal quand même via, je suppose, des sites genre Zen Market et compagnie, pour ne pas les citer. Tu fais en tout cas de l'envoi par correspondant, je ne sais pas comment ça marche. Est-ce que vous faites ça aussi, Adrien et Choco ? Et surtout, la question, c'est est-ce que ça vous inquiète ? Comment vous voyez l'évolution, vous, personnellement ? Est-ce que vous allez pouvoir encore finalement commander d'ici un mois ou deux ? Moi, perso, j'ai arrêté d'acheter à l'étranger. Okay. J'achète plus rien au Japon. Pour répondre à ta question, pour faire très simple. Ouais, d'accord.
y vas, Adrien. Exactement, c'est pour ça que j'ai arrêté. Parce qu'en fait, voilà. J'ai fait les calculs là, sur les derniers colis que j'ai chopés en effet sur Yahoo Auction via. Bah, c'est pas Zenmarket, c'est un autre truc, je me souviens oui, plus bon, du nom, bah, mais oui. C'est une plateforme pareille d'intermédiation. Voilà, voilà. Au final, quand j'ai fait le calcul, je me suis pris à chaque fois la douane, ça m'a coûté plus cher quasi que si j'avais acheté le jeu à l'unité. Parce qu'en plus, souvent sur ces sites-là, tu vas acheter des lots pour avoir 3-4 jeux. Donc en plus, tu as les jeux qui te restent sur les bras et bah, il faut trouver une solution pour t'en débarrasser. Donc bah, finalement, moi, j'ai tout ramené en magasin République parce que ça me saoulait. Donc, mais ça couvre pas les frais non plus forcément. Enfin voilà. Donc, et comme en effet, j'ai la chance de pouvoir aller à peu près tous les 3 ans au Japon, bah, je préfère serrer un peu la ceinture sur le moment X et par contre avoir un budget beaucoup plus important quand je vais au Japon où, a priori, il y a moins de chances de se faire choper par la douane. A priori. Ouais. Donc voilà. Mais ça, c'est tout récent. Hein. J'ai commandé au Japon pendant très longtemps, mais là maintenant, avec. C'est pas que la nouvelle taxe là qui rentre en application au 1er juillet, juste pour expliquer. En gros, avant, c'était à partir, je crois, de 80 euros où on était taxé. Maintenant, c'est à partir du 1er euro. Donc, dès le 1er euro, vous payez de la TVA directement. Donc, vous devez la payer quand il arrive. Mmh. Et derrière, en plus, il y aura des contrôles douaniers dès le 1er euro également. Donc, avec la douane, c'est 25 balles de frais administratifs, plus après des pourcentages, des amendes, etc. J'en ai fait les frais en achetant ce truc sur eBay, donc comment en Angleterre. Mm-hmm. Et donc ouais, j'étais en plus, pas Angleterre aussi maintenant qui met des taxes. Ouais. J'étais pas spécialement au courant alors que c'était déjà mis en place. Ce truc m'a coûté à peu près plus de 22 euros, hein, à peu près 30 balles. Et qu'est-ce que j'ai dû payer, messieurs, comme taxe? Je me demande. 30 balles. Ouais, 30 euros, 60 euros le truc, j'ai failli dire non, c'est stop, tu me rembourses ça, Coco. Seulement, le problème, c'est que je me suis même renseigné pour le remboursement avec le vendeur, c'est toute une sinécure, il faut que je renvoie le truc à mes frais. Bref, en fait, j'avais pas le choix, j'étais vraiment malmenotté. Mmh. Donc là, maintenant, ouais. Je regarde, alors pas avec un dégoût, je suis content d'avoir pris ce truc. Bon, tu vas me dire, c'est que du plastique, hein, ça t'a Tamagotchi spécial Pac-Man, mais c'est ridicule. Mais voilà, 60 balles, quoi. Mais bon, là, c'est avec, encore une fois, l'Angleterre. Ouais, parce que ça, l'Angleterre applique le même principe qu'aux États-Unis, wow. Contrairement au Japon, ouais. C'est qu'en fait, ils ont une détaxe en fait automatique. C'est-à-dire que dès que tu achètes un truc, tu l'as acheté sur eBay, j'imagine, ou pas? Je l'ai acheté sur eBay. Alors par contre, si j'ai bien compris, ce qui est en dessous de 22 euros pour l'instant, en Angleterre, c'est zéro. Il n'y a pas de taxe. Mais en pour fait, l'instant. Sur eBay, c'est marqué en fait combien tu vas payer automatiquement. Ouais. Comme quand tu commandes au Japon. Donc, il faut que tu fasses attention à ça, en fait. Donc, tu as les frais de port. Donc, il te met les frais de port. Et en dessous, il te met automatiquement les frais de douane. Et tu sais combien ça va te coûter au total. Donc, il faut faire vraiment attention à ça. Ouais, c'est ça, exactement. Mais bon, voilà, normalement, il n'y avait pas de frais de douane, justement. Ouais. Sur les États-Unis. Sur les US, quand même. Ouais, j'avais commandé un truc qui n'avait rien à voir avec la geekerie. Mais bon, c'était quand même. Pour les US, il faut commander au Canada. Idéalement, parce que tu n'as pas les frais de douane. Ouais. Bon, je pense à des sites chinois, hein, pour ne pas les citer. C'est vrai que pour l'instant, je commande pas mal aussi chez eux pour l'autre chose qui ne coûte pas cher, des babioles, des clones, voire aussi, hein, de temps en temps. Mais là, pour l'instant, c'est vrai que bon, j'ai pas trop à m'inquiéter. Eux, ils passent toujours par en plus le circuit long. Hein. Tu dois à chaque fois attendre au moins 4 semaines pour recevoir un petit truc. Mais voilà, on verra un peu comment ça va évoluer. Donc, toi, effectivement, Adrien, bah, tu as répondu, tu n'achètes plus. Toi, monsieur se permet d'aller carrément au Japon. Moi, je n'achète bah, plus moment, sur. Pour le moment, non, mais. Non, je rigole. Ce sera possible, on y retourne. Ouais. J'espère en 2022, on verra. Alors, Choco, qu'est-ce que toi, tu réponds à ça? Est-ce que tu as une inquiétude ou pas du tout? Est-ce que ça va quand même changer ton mode de consommation aussi? Moi, je suis plus, on va dire, je passe pas forcément par les circuits traditionnels d'achat. D'accord, bon, ça ne nous regarde pas. Il y a des personnes sur place qui peuvent m'aider à trouver ou à réceptionner. Ouais. Puis, on va dire, je vais faire achat assez sniper, on va dire. Mm. Les derniers achats, c'est d'ailleurs un jeu pour Stéphane. Mm-hmm. Oui. Ouais, j'ai un jeu. J'attends pas la réponse, hein. Ouais, j'essaie. De... Mais tu vois, même sur les envois d'amis, on se tape les douanes maintenant. En fait, ils ont resserré de ouf. C'est vrai.
Ah ouais, mais surtout, ouais. En fait, tu tapes quasi à 100% la douane maintenant. Donc, Moi, j'en ai pas eu depuis, wow. Bah, depuis le dernier colis, là, justement. J'ai pas foncièrement beaucoup d'achats à maintenant au Japon. Comme Adrien, en fait. Hein. Si je veux quelque chose, maintenant, je vais aller le chercher moi-même. C'est ça. Et ça sera moins cher en plus sur place, ouais, en vrai. Ouais, ça me coûtera moins cher. Je pourrais préparer. Limite, je l'achète là-bas et je le laisse chez mon ami et je passe le prendre. Voilà. Après, quand j'y vais, nous on est quatre, j'ai une capacité de stockage qui est assez importante dans les valises, donc bon. Oui, mais à ce moment-là, vous allez au Japon, vous achetez vos trucs, vos jeux, vos mangas, etc. Est-ce que à ce moment-là, vous les faites envoyer, vous les reprenez dans la valise ou risque de se faire coincer? Comment ça marche? Dans la valise. Maintenant, c'est dans la valise parce que moi, ouais. Je l'ai fait l'année de la sortie. Avec la feuille d'aluminium autour, non, ça marche pas. Non, tu passes en fait, il n'y a pas de problème. Hein. C'est quand que tu serres les fesses et que. C'est ça. Ouais. Ouais. Et en plus, en vrai, normalement, il faut savoir que tu peux avoir des problèmes que sur du neuf, en fait. Donc, même s'ils te contrôlent, si tu n'achètes pas de trucs neufs, en vrai, ils ne peuvent rien te dire. C'est vrai. Parce que c'est de l'occasion. Et logiquement, c'est que sur du matériel neuf que tu peux. En fait, la limite, c'est 400 euros, je crois, de mémoire, un truc comme ça, par personne. Ouais, mais comment t'expliques ça au douanier qui connaît strictement rien? Je veux dire, mec, il est censé connaître la loi, il est censé connaître que c'est sur le matériel neuf. Okay. La petite, moi je me souviens, c'était j'étais confronté à ça, je crois c'était une fois où quand je travaillais en Suisse, je faisais des allers-retours Paris Lausanne Paris Genève très régulièrement et j'avais ma PlayStation portable avec moi. Je suis topé à la douane, ils me disent mais c'est quoi ça, vous l'avez acheté où? C'est pas, je l'ai acheté au Japon, mais ça datait déjà d'il y a un moment. Et ils m'ont dit mais pour nous montrer la facture, je fais attendez, les rires ou quoi là. Ça fait 4 ans que c'est sorti, je vais pas me balader avec tous mes tickets de caisse quoi. Donc, c'est un peu au petit bonheur la chance, cette contrôle douanier. Ouais, c'est ça. Et puis pour répondre à ta question, si j'y vais, non, j'envoie plus par colis. Je l'ai fait une fois, c'était l'année de la sortie de la PSP. J'avais ramené, je crois, une quinzaine de PSP pour tous les collègues du bureau. j'ai envoyé parce que je me suis dit si je me fais toper par les douanes en sortant de l'avion, ça va pas le faire. Autant bien le faire, limite. Hein. C'est ça, exactement. Non, j'en verrai plus. Ça coûte trop cher. En plus, là, j'ai coupé les frais de poste. Ouais, ça a augmenté. La Japan Post, ouais, c'est un truc de ouf. En tout cas, j'ai eu du bol en partant de. Je suis parti un mini trip de 15 jours à Hong Kong, en l'an 2000 d'ailleurs, en fait. Début 2000. Donc là, je me suis lâché. Hein, j'ai pris la Neo Geo Pocket Color Light. Couleur, donc. J'ai pris la Dreamcast. J'avais cassé, malheureusement. Là, j'en pleure actuellement, mais j'avais dû laisser la boîte chez le vendeur parce que je savais que ça allait pas être possible. Donc, voilà, j'aurais pu la plier hein, actuellement, en fait. C'est vrai que si j'avais réfléchi, j'aurais pu la plier. Enfin, bref. Là, donc, la Dreamcast Jap, toute une série de CD pressés, tu vois ce que je veux dire. Il y avait quoi d'autre? Il y avait un tas de bordel. J'ai pris vraiment mes blindés de trucs, quoi. Et je suis passé, heureusement, on arrive à l'aéroport en Belgique. Il était déjà minuit, c'était les avions les plus tardifs, etc. Mais rien, quoi. Mais zéro. Je crois qu'ils étaient tous en train de dormir. C'était aussi l'an 2000, alors peut-être que ça a changé effectivement sur 21 ans, mais voilà, toujours est-il que j'ai eu beaucoup de bol, et je le ferai plus si j'avais l'occasion encore de voyager, voilà, mais bon. Donc, et toi justement, Stéphane, tu veux peut-être, qu'est-ce que tu en penses? Je sais pas, je commence beaucoup via eBay, hein, parce que je trouve que dans un magasin, juste comme ça, parce qu'on trouve quand même du jeu japonais, parfois pas trop mal, hein, même en France, on arrive à trouver des choses sympas. Quoi. Surtout que, d'après ce que j'ai pu comprendre, parfois, il y a des prix qui sont à peu près les mêmes en France et au Japon. Voire moins cher en France sur certains supports. Après, je ne sais pas du tout comment ça va se passer, cette histoire. J'ai des colis qui doivent arriver, là, j'ai fait les commandes, on verra bien. Et puis, si je vois que ça prend des proportions complètement dingues, évidemment, j'arrêterai, tout simplement. Hein. J'irai au Japon, je serais comme Choco et puis. Tant que je te propose d'y aller, il serait peut-être. Vous prenez le même avion, hein, limite, vous faites tout en groupe, quoi, tu vois.
que voilà. Ça se passe. Une chambre. Sachant ce que disait voilà. Choco est très important, c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné, mais les prix en effet de la Japan Post ont vachement augmenté là, sur ouais. les envois oui, internationaux. Avec le et c'est ça. Genre 30% ou 40% de plus. Ouais. Et c'est en fonction c'est du clair. Poids en plus. Donc, ouais, il y a beaucoup de freins là aujourd'hui sur les envois de colis. Ouais. Et au-delà de ça, hein, depuis le premier confinement, tu n'as plus les. T'as plus le mode SAL. Ouais, en plus, ouais. Les modes low cost. Donc, tu es obligé de passer par du FedEx ou de l'EMS, l'équivalent pour le poste. Donc, bon, tu peux te faire livrer en 3-4 jours, tu payes ton frais de dossier et tu l'as. Hein, mais au final, si tu ne prends pas beaucoup de volume, ça ne vaut pas le coup. Non, c'est ça. Et les containers, ça fait plus longtemps que je n'ai pas envoyé par bateau. Mais je pense que. Moi, j'ai arrêté, c'est pour ça que j'ai arrêté. Je faisais que du bateau 3 mois et je me suis pris à chaque fois les douanes sur les derniers. Donc, j'ai arrêté là. Il vaut mieux, limite, si je comprends bien, si j'entends bien, il vaut mieux même encore passer, comme tu dis, sur eBay, Stéphane, par exemple, hein, ou sur Marketplace ou n'importe. Il y a plein d'autres petits sites encore sympathiques. Limite, payer peut-être le prix que le collectionneur, le revendeur, les fourgues, en évitant finalement tous ces ennuis. Alors effectivement, ça va être beaucoup plus lent au niveau de la recherche, au niveau de la trouvaille, au niveau de l'exclusivité peut-être aussi. Mais au final, voilà, on risque pas grand-chose, on sait à quoi on s'en tient, si ce n'est que, voilà, sais qu'il y a des vendeurs qui sont peu scrupuleux, des arnaqueurs, etc., mais ça, il y en a partout. Peut-être moins au Japon, cela dit. Mais donc voilà, je sais pas, donc c'est un choix, comme tu dis, comme vous dites, hein, tous, messieurs, un choix, une philosophie, puis il va falloir s'y préparer, rien à faire. On verra un petit peu les premières semaines de juillet et août, un peu comment ça fonctionne. Non, on ira à la Cold Day l'année prochaine et puis on refera un bateau. Voilà, c'est ça, un petit stock. Voilà. Et donc, j'ai entendu d'ailleurs dire qu'en Belgique, Alibaba, alors c'est pas AliExpress, c'est Alibaba voudrait en fait avoir ses propres hangars pour pouvoir justement vendre en Belgique, en Europe, bref. Ça déplaît beaucoup parce que naturellement, les heures de travail, c'est vraiment. Bah, c'est comme Amazon, c'est pourri, hein, c'est l'esclavage moderne, voilà quoi. Mais donc voilà, c'est vraiment une façon d'acheter, peut-être qu'il va changer, on verra, comme vous dites de toute façon. Oui, on verra la suite. Wait and see, comme disent les Anglais, exactement. Donc là, c'était la petite parenthèse un peu chiante, mais c'est vrai que ça fait quand même partie du décor, financier, voilà. Dans lequel on va être de toute façon confronté. Voilà. Donc, revenons sur des choses beaucoup plus gaies, beaucoup plus sympathiques. Alors, où est-ce que j'en étais dans mes sujets? Donc, ça, j'ai déjà fait. Il faudrait peut-être que j'efface les sujets que j'ai faits, ça sera plus facile. Alors, si je mettais mes lunettes, ce serait mieux, mais comme j'ai envie d'être beau à l'écran, je ne les mets pas. Je rigole. Justement, un sujet qui me plaît, qui me tient à cœur. Mais non, on va d'abord faire une question, on repartira sur la thématique en question. Quelle, selon vous, a été la console, si c'est par une console que vous avez commencé, je sais pour toi Stéphane, c'est plutôt les micros comme moi, quelle a été la console qui vous a vraiment, impressionné, vraiment la toute première fois? Alors, je connais la réponse pour certains, mais bon. A été vraiment la grosse claque technique pour vous durant votre enfance, adolescence, selon... Moi, c'est la Saturne, parce que même si j'ai connu d'autres consoles avant, la transition entre la 16 bits et la 32 bits, c'était juste... c'était phénoménal. Enfin, je pense qu'on retrouvera peut-être jamais une transition comme ça en termes de technique. Mais c'était vraiment un autre paradigme. Et puis, il y avait plein de nouveaux types de jeux qui sortaient, des jeux qui n'existaient pas forcément avant, en tout cas que moi, je n'avais pas appréhendé, en tout cas, qui apparaissaient. Le jeu vidéo, c'était un nouveau jeu vidéo qui apparaissait, en fait, à l'époque. Ouais. Et même si aujourd'hui, en effet, ça a très mal vieilli, notamment tous les titres en 3D sur les 32 bits. Ouais. Mais quand on remet dans le contexte de l'époque, en fait, c'était surtout si on ne jouait pas sur PC, ça remet en perspective pas mal de choses. Et moi, personnellement, c'est vraiment la plus grosse claque, pour le coup. D'accord, ok. Et pour toi, Stéphane, quelle a été En fait, des claques, j'en ai pris plusieurs, tu vois. Oui, mais on va dire la première, parce que
La toute première. Si je vous en parle, vous allez trouver ça. La première claque, c'était Pong, tout simplement. D'accord, magnifique. Parce parce que c'est complètement. C'est ce que moi, m'a fait démarrer le vidéo, tu vois. Justement, oui, parce que c'est important. Parce que tu n'as pas connu que. Justement, tu as connu un monde sans console, sans arcade, en fait. Ouais. Tu es passé du jouet, on va dire plastique, ou de la bande dessinée, etc., du matériel, à quelque chose de complètement, entre guillemets, virtuel. Effectivement, le Pong, ça devait être une super claque. Le Pong, quand je ne l'avais pas, c'était un copain d'école qui avait eu ça pour son anniversaire. Il était invité pour son anniversaire. Et puis, il dit voilà, mes parents, ils m'ont acheté ça. Et j'avais entendu parler de ça, mais sans plus m'y intéresser. En plus, j'ai habité une petite ville de Normandie. C'est pas Paris où on parle de plus de facilité avec ce genre de truc. Il met ce truc-là à la télé. Et pour la première fois, tu bouges, toi, quelque chose sur l'écran. C'est ça, exactement. Pour l'époque, hein. Évidemment, maintenant, quand tu dis ça, voilà. Quoi. Et c'est ce qui a démarré le truc chez moi, si tu veux. Ça a démarré le truc parce que quand j'ai vu ça, il me fallait une console. Il fallait que je trouve un Pong, il fallait que j'ai le truc. Mais financièrement, puis mes parents, pour me faire acheter ça, c'était hors de question. Quoi. Ça abîmait la télé, enfin bon, bref, tu connais tous les trucs. Ouais. Hein. Il a fallu que j'attende longtemps ce truc-là, et j'ai acheté le Vidéopack C52, c'est ma toute première console. Ouais, joli, je voulais m'acheter l'Atari 2600, mais j'avais pas assez de sous à l'époque. T'as bien fait, moi je trouve que t'as bien fait d'être tourné sur Vidéopack. Pour moi, oui, mais bon. Oui, qu'importe. Bon, puis après, je suis passé sur les micros, et moi, les commandes claques, c'était la deuxième claque, c'est la Amiga 500, tu vois, des choses comme ça. Ah, enfin ouais. et bon, même le Commodore 64, hein, c'était, pour moi, c'était des trucs de gamin. Quoi. Et après, la NEC PC Engine, voilà, c'est le truc. Voilà. C'est ça. Et puis je dirais la PlayStation, la première PlayStation aussi. Avec Ridge Racer. C'était vraiment une révolution pour l'époque, je pense. En même temps, la Saturn, Adrien, t'inquiète pas. Oui, non, mais moi je considère, Saturn, c'est toute l'ère 32-bit en fait. Oui, c'est ça, ok. Ouais. Voilà, c'est une génération de consoles qui a mis une tarte à l'époque parce que c'était vraiment une évolution. Et puis je dirais le VR. Moi. Le VR que j'attendais depuis très longtemps. Parce que on en entendait parler depuis pas mal d'années dans les films de science-fiction, des choses comme ça. Et le VR, bon, j'étais pas trop chaud. Et quand j'ai pu le choper, c'est vrai que j'ai trouvé ça vraiment sympa. Une autre façon de jouer. Après, on aime ou on n'aime pas. On va pas jouer toute une journée dessus. Mais c'est une expérience. Et j'espère que ça va s'améliorer. Ça, c'est clair. Ouais. Bah, à mon avis, que le VR2, très certainement, vu la technologie embarquée. Et toi, Choco? Moi, c'est notre façon de jouer qui est intéressante. Après, il faut aimer, mais encore une fois, c'est très personnel, hein, c'est très intime. C'est ce que je disais un peu au début du live. Finalement, de toute façon, une découverte restera toujours intime, quelle soit. Il y en a qui vont aimer la Thaïlande, il y en a qui vont aimer, je sais pas moi, le pôle Nord, il y en a qui vont aimer la Russie au fin fond du trou du cul du monde. Je sais pas, je veux dire, c'est tout dépend de ce que vous découvrez à un moment T dans votre vie, et ça reste gravé ou pas. Voilà, bon, ça c'est très personnel. Mais vraiment, la première claque, oui, c'est le Pong, parce que c'est génial, ça. Ouais. Et petite parenthèse, c'était le Pong sur quoi? Alors sur Odyssey, sur autre chose? Non, ça devait être une console genre Radiola ou je sais pas quoi, enfin tu vois le truc. Ouais, je vois, ok. Un des nombreux clones. À limite, à l'époque, on s'en foutait complètement de la marque. Oui, c'est ça, exactement. Exactement. Jouais avec Bat, tu sais, et puis le Pong, quoi, c'est... Ouais, exactement, ouais. Ouais, il n'y avait pas cette... Pendant cet anniversaire-là, je ne vais pas dire qu'on se battait pour y jouer, mais presque, quoi, parce que c'était vraiment le truc. Bah, je veux bien et là, je te parle d'un truc qu'en 1979, quoi, tu vois. C'était avant 80. Bah. Quoi. J'ai commencé avec le Pong aussi. D'ailleurs, mes parents avaient revendu la console en question, et puis je l'ai retrouvée il y a quelques années, je ne sais plus, via eBay ou Marketplace. Donc je crois que c'était eBay plutôt, et je l'ai retrouvée, je suis vraiment content. C'était la grise avec les boutons orange, là, où tu pouvais... Par contre, voilà, où tu pouvais justement changer la cartouche, ce qui était quand même pas plus dire. Il y avait peut-être trois jeux grand max. Hein. Ouais. Il y avait le Pong, la voiture, Rallye, enfin F1, quoi. Bon, bref. Ouais. Choco, pour toi, quelle a été justement ta première claque vidéoludique? Laisse-moi réfléchir. C'est pas mal, en fait. Voilà, comme c'était... Ben oui.
La première, on va dire, plus ou moins. La première, je pense que c'était les Game & Watch, en fait. Game & Watch, parce que je me souviens, étant gamin, j'aimais en fait tous les petits trucs électroniques. Magnifique. Qui c'est qui réglait le radio réveil sans avoir la notice. Oui. Moi, toutes ces cochonneries-là, je bidouillais. Et quand j'ai vu ça pour la première fois, j'ai fait « Ah, c'est pas mal !» J'avais aucune connaissance en électronique ni quoi que ce soit, ni aucune notion du prix, d'ailleurs. Je trouvais ça assez excellent. C'était très rudimentaire, mais battre le score, c'était à l'époque, quand il y avait encore vraiment le score, j'avais ça, et puis j'ai été aussi bercé avec les flippers. C'était un peu le level up du score, quoi. Donc ça m'a pas mal marqué. Et particulièrement, c'était le mini cabinet Pac-Man que j'ai eu à main. Je l'ai usé. Magnifique. J'en garde un très bon souvenir. Alors j'ai revu des images du gameplay, etc. Maintenant, je fais waouh, non, je vais peut-être pas me lancer à la chasse de ce truc-là. Mais c'était ça, ouais, c'est ça. Après, il y en a eu d'autres des claques, hein, mais pas forcément pour des raisons techniques. C'était plus pour la technologie que ça embarquait, pour ce qu'on faisait avec. J'ai pas mal bidouillé aussi sur les consoles. C'est vrai que je suis passé par les Game & Watch aussi, bien entendu, en toute logique, hein, puisque c'est ce que je dis, on est une génération qui avons eu la chance, ou pas, en tout cas, moi je la prends comme une chance, encore actuellement. J'aimais d'ailleurs bien ce que tu disais, Stéphane, au tout début du live, c'est que tu aimes justement redécouvrir, oui, finalement reprendre ce plaisir à découvrir ce que nous on découvrait à l'époque, parce qu'à l'époque, oui, chaque fois on avait cette petite claque, comme tu dis très bien, Choco et Adrien, on se prend plusieurs claques. Les Game & Watch, moi ça a été par exemple aussi avec un jeu magnifique, je sais pas combien de niveaux, on s'en fout, c'est le Caveman de chez Tommy. Il est juste génial, quoi. Le petit bonhomme, le petit Cro-Magnon que tu déplaces, que tu dois éviter, tu dois voler l'œuf du dragon, ça reprend exactement le principe du Game & Watch, mais avec écran lumineux, je ne sais pas comment on appelle ça, en LCD, cristaux liquides lumineux, quoi. C'était l'arcade à la maison, entre guillemets, hein, tu vois, j'avais cette impression. En plus, c'est vrai que cette petite borne qui reprenait, comme maintenant on retrouve chez toutes les mini-consoles, bon, bref. Voilà, et ce n'est que chaque fois, voilà, c'est on réinvente et puis on reprend des vieilles recettes, on les refourgue de mieux en mieux. Voilà, la Neo Geo Mini, c'est vrai que voilà, moi joystick, je le trouve dégueulasse, on va pas revenir là-dessus, on le sait, mais l'écran, c'est vrai qu'il est génial dans le sens que lui au moins il respecte le ratio. C'est une des rares, mais naturellement, oui, comme tu fais, Adrien, c'est vrai que jouer sur un écran comme ça et retrouver des sensations de Neo Geo, bonne chance. Mais bon, bref, voilà. Où est-ce que j'en étais? Je suis tout perdu par tous ces sujets. Maintenant que vous êtes trois, on le déstabilise. C'est génial. Je suis hyper content que vous soyez là. Voilà, d'ailleurs, on est déjà à 1h22 de live. J'espère que vous allez bien dans le chat. S'il y a des petites questions, tant qu'à faire, je sais qu'il y avait une question qui pourrait, en deux mots, ça te regarde. Adrien, pourquoi tu fais plus de vidéos en ce moment sur YouTube? Pour deux raisons, on va dire, principales. Une raison, d'ailleurs, j'ai vu Choco il n'y a pas très longtemps, on en avait discuté. Oui. C'est que j'ai l'impression d'avoir un peu fait le tour de ce que j'avais à dire sur ma chaîne. Okay. C'était le premier point. Et que j'avais pas l'impression d'apporter beaucoup plus de choses intéressantes, même si il y a forcément d'autres sujets que je pourrais aborder ou je pourrais parler plus en profondeur de ça. Mais je sais pas, j'avais cette impression là de stagner et de pas forcément apporter grand chose de plus. Mm-hmm. Et la deuxième raison, qui est plus d'ordre totalement personnel, qui est en fait que j'ai changé de taf. D'accord. Donc l'année dernière, ça s'est pas bien passé parce que j'ai bossé dans le secteur de l'aéronautique et comme tu le sais, avec le Covid, ça a été très compliqué. Mm-hmm. Donc j'ai perdu mon taf en octobre de mémoire, et j'ai recommencé un nouveau taf là dans un autre secteur, donc en mars, et avec pas mal de responsabilités, donc qui me prend énormément de temps, et voilà, aujourd'hui j'ai plus le temps de me consacrer à autre chose que le boulot et mes loisirs autres que faire des vidéos YouTube, donc jouer notamment, et en effet lire des mangas, regarder des animés, regarder des séries, partir en week-end comme j'ai fait aujourd'hui, tu vois, j'ai pris un peu de couleur.
partir en vacances quand on aura l'occasion de pouvoir y retourner. Mmh, mais c'est vrai que les vidéos YouTube viennent vraiment à la fin de ces priorités-là, en fait. Et là, aujourd'hui, c'est malheureusement plus dans mes priorités. Peut-être qu'un jour, j'en ferai, mais à date, c'est pas du tout prévu d'en refaire, moins pas cette année, ça c'est sûr. Ok, ok. Ben voilà, écoute, c'était pour répondre à, à un commentaire, justement. C'était pas merci. Merci beaucoup pour ta réponse. Donc, on va revenir tout doucement aux thématiques. Donc, en tout cas, voilà, effectivement, on a parlé des consoles qui vous ont, donc, disons, claqué, qui vous ont hypé, comme disent les Jones. C'est vrai que moi, en ce qui me concerne, ça a été... alors, chez un ami, la PC Engine, de toute façon, et encore mieux, c'est la PC Engine Duo, l'enfoiré, que j'ai connu en 91-92. Donc, lui, autant dire, il était déjà dans, dans le truc, quoi. Quand j'ai vu ça, je dis, bah, ok, d'accord. Alors, c'est vrai, la PC Engine, on pourra en revenir des heures et des heures, parce que c'est une console, voilà, y a plusieurs choses à dire là-dessus. Gunnet serait d'ailleurs parmi nous, il pourrait aussi nous en parler pas mal aussi. Mais la PC Engine, c'est vrai que à sa sortie, existait déjà la Mega Drive, la Super Nintendo qui allait apparaître, ou la Super Famicom plutôt, et un tas de consoles ensuite, 3DO et compagnie, qui sont un petit peu, voilà, comment, hors circuit, quelque part. Mais elle avait vraiment, en tant que telle, c'est vraiment une entité, vraiment, la PC Engine, quelque chose qui a vraiment permis des évolutions vraiment magiques, quoi. Justement, c'est quand même la première console avec CD. C'est aussi qui a donné naissance à une portable qui est juste dingue, démente en tout cas par son écran, puisque c'est finalement, bien sûr, la PC Engine, la Core Graphics miniaturisée. Juste impayable aussi, hein, bien entendu. Alors, justement, petite parenthèse sur les portables. Je fais des Metalink, hein. Je suis comme ça, en fait, dans mon cerveau. Ça marche un peu comme ça, tu vois. Je fais un truc et puis tout d'un coup, hop, il y a un truc qui est, je sais que c'est bon. Et donc, pour les portables, rapidement, vous avez, je suppose, au moins tous une portable. Stéphane, toi, je sais que tu en as parce que tu les présentes sur la chaîne. J'adore ça aussi, hein, tout ce qui est portable. Adrien, Choco, est-ce que là, rapide sujet, que pensez-vous des modes, des modding qu'on fait sur les portables? Changer l'écran, changer... peut-être pourquoi pas l'enceinte, le speaker. Est-ce que pour vous, c'est dénaturer une console? Dénaturer, en tout cas, là, peut-être que je peux même remettre ça sur le truc des consoles de salon. Hein, ça pourrait être justement, on parlait avant qu'il arrive Choco de la Saturn avec justement la puce pour lire les ISO et compagnie. Est-ce que ça dénature finalement la console en tant que telle? Ou encore une fois, est-ce que ça n'améliore pas finalement la qualité du jeu? Puisque nos petits yeux de quarantenaire commencent à fatiguer, n'est-ce pas? qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez que c'est une ignominie de modifier comme ça des consoles? Ou est-ce que, bah, pourquoi pas, hop, quitte à garder l'original et avoir un double pour pouvoir la modder? Et puis, enfin bon, bref, vous m'avez compris. Est-ce que ça vous choque? Est-ce que c'est même primordial actuellement vu les écrans un peu de merde qu'on avait sur à l'époque. Si avec les écrans, on peut parler des condensateurs de la Mega Drive. Oui, bien sûr, voilà. Si tu remplaces pas les condos, c'est compliqué de Game Gear de toute façon. Ouais. Mais moi, turbo, c'est pareil. Ouais. En fait, c'est toujours pareil. C'est un débat joueur collectionneur en fait. Quand tu es collectionneur, je pense que tu vas vouloir le truc d'origine tel qu'il est, sans avoir aucune modification. Mais si tu es joueur, tu vas vouloir la meilleure expérience de jeu possible, avec pourquoi pas un écran rétroéclairé, parce qu'à l'époque il n'y était pas, avec éventuellement une prise en main plus agréable, etc. Moi, j'avoue, aujourd'hui, si on parle vraiment des... Bon, moi, je suis pas du tout joueur de console portable, déjà, faut le savoir. Mais moi, ça me choque pas du tout de modder sa console, quelquefois. Si ça dépend, en fait, de comment tu vois la chose. C'est-à-dire, si tu as une vision joueur, c'est très bien, c'est cool. Et je pense que c'est une très bonne chose à faire et j'encourage à le faire. Et si tu es, on va dire, collectionneur pur et dur, vraiment, tu veux pas du tout dénaturer le truc, je peux le comprendre aussi. Moi personnellement... Mmh. Ça me choque pas du tout que quelqu'un souhaite améliorer l'expérience de jeu et utilisateur en améliorant notamment l'écran, par exemple. Donc, Choco, toi, tu es assez d'accord avec LMB Retroplay, et donc, effectivement, avec Adrien, je suppose.
Oui, et puis on voit qu'il y a des initiatives de startups chinois qui essayent de faire des consoles portables. Il y a Analog qui essaie aussi de faire un FPGA pour la version GBA qui supporte aussi la Game Gear et qu'on cherche aujourd'hui maintenant, c'est la meilleure expérience de jeu. Après, si c'est pour l'objet, ouais, c'est de la collection, c'est comme une œuvre d'art, on ne va pas la toucher. Pas dénaturé. Moi, je suis pas dans ce, je suis pas dans cette catégorie-là, même si j'ai des consoles, que ce soit portables ou d'ailleurs consoles de salon. Il y en a qui ont plusieurs exemplaires. Donc ça, c'est le jeu des opportunités, etc. Mais je dois avoir des consoles où il y a quasiment rien d'origine dedans, parce que je vais y jouer sur un écran plat, par exemple. Ouais. Bon bah. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'expérience du jeu. Après, le hardware, etc., je comprends. Mais si c'est pour pas pouvoir y jouer, si c'est pour ne pas pouvoir y jouer dans de bonnes conditions ou avoir ce devoir se casser les yeux. C'est le jeu quelque part. Ouais, voilà. Je crois que la première fois que j'avais dû voir ça, c'était sur la portable de Sega où j'avais vu l'écran d'origine. J'avais oublié. Oui, moi aussi. Moi. C'est moche. Hein. C'est laid. Mais à l'époque, c'était génial. Mais après. C'est à cette occasion que j'ai eu l'occasion de comprendre l'effet des condensateurs aussi. Donc, en fait, c'est comme finalement. C'est comme tout. Il y a moyen aujourd'hui, avec des nouveaux composants, d'améliorer, de faire perdurer quelque part l'expérience de jeu sur ces supports. Bah, pourquoi s'en priver? Je pense que ça ne fait qu'améliorer le hardware d'origine. Oui. Moi, j'ai pas de problème à même dégager le bloc optique pour mettre une carte, même si j'ai les jeux aussi dans l'armoire. Ça ne me dérange pas. Moi, ce que je veux, c'est jouer. Oui, c'est ça, voilà. Okay. Voilà, c'est... Après, s'il faut retourner la console, souvenez-vous, les PlayStation, soit il faut aller les retourner, le mettre sur la tranche parce que. Déjà qu'on n'a pas beaucoup de temps pour jouer, mais alors si en plus il faut faire des acrobaties avec le matériel pour pouvoir lancer un jeu, c'est ma vision des choses. Oui, alors ce qui est génial avec la PlayStation, par exemple, rapide parenthèse, c'est effectivement, Cyril avait présenté ça aussi, notamment. Là, tu peux, heureusement, il y a des gens géniaux qui ont quand même, qui ressortent des pièces détachées, comme on le fait avec les voitures. Je suis pas voiture, hein, mais bon, bref, on ressort ça, hop, on te reprend un bloc lentille. Tu redémarres ta PS1. Alors, naturellement, on dénature, la console, mais là, on la dénature pour qu'elle refonctionne quand même, comme au premier jour, plus ou moins. Qu'est-ce que tu... Non, c'est après, pas... Après, tu vois, tu peux aller aussi sur les temps de chargement, sur la consommation électrique, la chauffe. Ouais. Tu peux aller tweaker un peu plus le matériel pour que ce soit vraiment optimal. Sans pour autant tomber dans l'émulation. Hein. Oui, tout à fait. Ouais. Le curseur vraiment assez loin. J'ai prévu un de ces quatre sur une Dreamcast que j'ai à la maison. Elle n'a de Dreamcast que le nom. Même la coque, c'est plus la même. Là, c'est ça, avec lecteur SD et compagnie, quoi. Voilà. Ouais, voilà, un port HDMI, une alimentation 12 volts. Il n'y a plus que la coque, effectivement. Une prise en métal pour éviter toute chauffe. Tu peux même mettre un disque dur si tu n'as pas envie de mettre de carte SD. Après, c'est un choix. Et ça va, elle fait le café aussi, sinon Et la lumière, si on veut, ouais. La lumière, voilà, ben je sais. C'est le Jackie de la Dreamcast. Non, surtout pas. Jackie Dreamcast, non, je rigole à Choco. Et toi, Stéphane, qu'est-ce que tu as à dire à ça par rapport à... Je suis un peu pareil, bien que j'ai changé un petit peu, parce qu'il y a quand même certaines consoles. Pour NEC, par exemple, c'est vrai que même si tu as un meilleur confort de jeu, tu dénatures un petit peu la bécane. Ouais, ouais. Donc, là j'aurais mal quand même. Je vais avoir une réponse de Normand, je dirais les deux. Oui, c'est-à-dire que pour moi, il y a des consoles. Par exemple, là, j'ai chopé une Game Boy Advance que j'ai modifiée avec un écran IPS pour pouvoir. Et là, tu redécouvres tes jeux. J'aimerais bien le faire sur une Game Gear, par exemple, parce que je trouve que sur la Game Gear, déjà à l'époque, comme la Game Boy, l'écran était... Enfin voilà, quoi, c'était une catastrophe. Et je pense que c'est pour la redécouverte des jeux, tout simplement. C'est essentiel. Tu ne peux pas remettre un jeu Game Boy sur une ancienne Game Boy aujourd'hui.
C'est, enfin, pour moi, c'est pas possible. À moins de jouer à Tetris. Tetris, c'est pas un problème, quoi. Mais si tu commences à taper sur des jeux où il y a du mouvement, etc., sur Game Boy, où tu as cet effet de blur, voilà, quoi. Tu peux plus jouer à ça. C'est dommage parce qu'il y a des jeux qui valent le coup d'être soit découverts ou redécouverts aujourd'hui. Donc, j'ai quand même de passer sur des bécanes qui vont t'offrir un meilleur écran, voilà, et moderniser quelque part. Mais par exemple, je sais pas, moi, défoncer une LT par exemple. Il y a LMB, je sais pas s'il est là. J'aime bien le fait d'avoir un nouvel écran, mais si tu peux avoir les deux bécanes, une bien au chaud dans une belle boîte, tu vois, d'origine, et puis une autre pour jouer où tu l'as customisé à mort. Ça, c'est si tu peux le faire financièrement, oui, pourquoi pas. Je pense que c'est mieux. Ouais. Moi, je ferais la même réponse que toi, plus ou moins, Stéphane, c'est celle de Normand, hein. Une réponse quantique, finalement, c'est que j'aurais effectivement, à ce moment-là, si j'avais les thunes, j'aurais les deux modèles, l'original pour garder si l'original. Si tu n'as pas l'argent, vaut mieux, à ce moment-là, si c'est pour jouer, si tu n'as pas l'argent, voilà. Ouais, tu peux la customiser, oui, vas-y. Oh. Moi, ça ne me dérange pas, hein. C'est pas, je ne veux pas dire non, je suis pas... Pas touche à ma LT, ouais. Non, celle-là, la LT. Ben, ni la LT, ni la GT. Moi, j'ai une GT en boîte, bon, je ne vais pas dire quasi parfaite, mais cette boîte, effectivement, elle a quasiment pas pris une ride. Je l'ai achetée au tout début de où j'étais sur eBay. Non, c'était pas. Oui, pardon, c'était en 2001, je crois, en 2001. Elle valait déjà le prix qu'on la trouve maintenant, un petit peu moins cher en boîte. Voilà, c'est vrai que on ne sait plus y jouer, puisque de toute façon, il faut changer les condos. J'ai aucune connaissance là-dedans. J'ai commandé les condos. J'espère trouver une bonne âme charitable, et surtout pas charitable, mais surtout très compétente. Voilà, pour pouvoir ressouder tout ça. Mais voilà, elle dort dans sa vitrine pour l'instant. Mais c'est une console, effectivement, par le prix et par la rareté. Mais par le prix actuel, ce qui n'est pas la même chose. C'est de devoir changer l'écran, ça me ferait vraiment mal. Par contre, des Game Boy Color, des Game Boy... Il y en a plein, des Game Boy Color. Enfin. Des Neo Geo Pocket, que j'adore, même des WonderSwan, maintenant, ils ont enfin un écran buvable sur WonderSwan, c'est génial, quoi. Bref, voilà, donc, c'est comme vous dites, c'est tout dépend, encore une fois, où on se situe dans cette approche, et voilà. Donc, c'est... Finalement, encore une fois, c'est très intime comme question, mais c'est une question quand même. Voilà. Donc, on va passer maintenant sur le sujet qui me tient à cœur. D'ailleurs, petit rappel, on a parlé des consoles 32 bits, PlayStation, machin. Petit rappel, la Saturn, oui, j'ai mon petit copion, c'est du modèle 1, ça vient quand même de l'arcade. Donc oui, avoir une Saturn, c'est de l'arcade à la maison. Une PlayStation, c'est le système 11, si je ne m'abuse. Oui, c'est de l'arcade à la maison. La Dreamcast, c'est la Naomi, alors qu'ils sont sortis plus ou moins en même temps, je crois. Hein. La PC Engine, en fait, ça ne vient pas de l'arcade. Par contre, il y a plusieurs coprocesseurs, tout comme l'Amiga, la Dreamcast, qui avait effectivement des processeurs dédiés à chaque utilisation, graphique, sonore et compagnie, j'en passe. Et donc, effectivement, voilà, ce sont des consoles qui, moi, la Dreamcast, donc la PC Engine, m'ont vraiment... Et la PlayStation, bien entendu, qui a vachement vieilli. Hein. Il n'y a rien à dire aussi là-dessus. La Saturn, c'est plus la STV, en fait. Ouais. Ah, c'est la STV, d'accord. Merci pour la correction, d'accord. Donc voilà, c'était l'arcade effectivement à la maison, on pouvait le dire, et le Pong aussi était l'arcade à la maison, quel que soit le clone de la console, puisqu'effectivement on ne trouvait pas mieux, en tout cas en arcade à l'époque avec le Pong, hein, j'entends bien. Donc la question, la thématique, et après on va tout doucement se laisser pour aller enfin se désaltérer et puis se rafraîchir, surtout de cette chaleur. Voilà. Ne n'oublions pas, c'est ce que je dis, on a eu un hiver pourri. Là, on vient de passer. Le printemps a été zappé cette année, c'est bien simple. Ouais. On vient de passer directement en été. Là, c'est reparti pour le pourri, mais bon, bref. En tout cas en Belgique. Le 60 Hz. On en a parlé justement avec Stéphane et avec Choco aussi. Et là, vous êtes assez semblables sur la question. Toi, Adrien, je vais directement aller dessus. 60 Hz, pour toi, ça t'évoque quoi? Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est quitte au double? Ça dépend. Dis-moi.
Dis-moi un petit peu, qu'est-ce que tu en penses? Je pense à l'opposé de ce que vont dire mes amis. Moi, je pense que c'est beaucoup de branlettes parce qu'en vrai, à l'époque. Non, mais. Alors, moi, je suis très 60 Hz. Non, mais aujourd'hui, je n'achète que de la 60 Hz. Je te mets en grand écran, là, pour le coup. Ça voilà. On ne met pas de branlettes en grand écran. Non, mais. Ce que je veux dire, c'est qu'en vrai, à l'époque, 50, 60 Hz, enfin, moi, personnellement, hein, je parle vraiment que de moi, ça n'a jamais posé aucun intérêt, c'est-à-dire que je m'en foutais complètement de savoir que, enfin, je savais même pas que le jeu en japonais était en 60 Hz personnellement. Voilà. Ce que je savais par contre, c'est que le jeu japonais, il sortait un an voire deux ans avant le jeu européen. Ça, par contre, c'était pour ça que je me suis mis au jeu japonais. Mais je me suis pas mis au jeu japonais parce que il y avait des bandes noires en plus ou en moins, je m'en foutais complètement. Non, mais c'est vrai. Et je m'en foutais de savoir que le jeu était 20% plus lent en PAL, tu vois. En vrai, ça m'a jamais intéressé. Magnifique. Maintenant, bien sûr, pour avoir, quand tu joues à Sonic 2 en japonais et en PAL, ben, tu sens la différence. Mais en vrai, moi, ça ne m'a jamais posé de problème et je peux tout à fait comprendre quelqu'un qui me dit moi, je ne joue que en 50 Hz parce que j'ai connu le 50 Hz à l'école, à l'époque, et que c'est ça qui m'intéresse et que je vais retrouver mes sensations de l'époque. Très maintenant, important. Si on met ça de côté, si on met cet aspect de côté, moi, je joue principalement aujourd'hui en effet en 60 Hz. Pourquoi? Parce que le jeu a été initialement en effet développé sur ce format-là, avec cette rapidité-là. Et avec, on va dire, ces contraintes également de difficulté, ces contraintes de gameplay liées à ce mode-là. Mais en vrai, je pense que c'est un débat presque intellectuel, je vais dire. Mm-hmm. En vrai, je suis pas du tout choqué. Je suis plus choqué quelqu'un qui me dit « je joue à la Mega Drive sur un écran plat, par exemple, pour être une famille, ou en 16/9e », que quelqu'un qui me dit « je joue à mes jeux en PAL sur Mega Drive », tu vois. Enfin, pour moi, oui. Ben, pour moi, tu vois, voilà. C'est plus, pour moi, il y aurait plus de débat sur ça, tu vois. D'accord, ce sera intéressant. Là-dessus, il y aura un débat, tu vois. Mais on relancera le débat. Tu joues sur 50 ou 60 Hz, si, tant que l'expérience de jeu est agréable et que tu dénatures pas, entre guillemets, ce que te propose le jeu que tu as connu à l'époque ou, dans le cas du 60 Hz, ce que proposaient les créateurs de jeux vidéo, voilà, moi, c'est un peu mon point de vue, en tout cas. Mais je sais que c'est totalement... Je sais qu'aujourd'hui, il y a un peu une... comment est-ce qu'on appelle ça? Je veux dire une fatwa, mais c'est peut-être un mot un peu une dur. Omerta, une omerta. Une omerta, voilà, exactement. Voilà. Sur, il faut absolument jouer en 60 Hz. Si tu ne joues pas en 60 Hz, ce n'est pas un peu joueur de retro gaming. Bon, voilà, moi je n'ai pas du tout cette vision-là des choses. Chacun fait ce qu'il veut. Si t'as, je peux tout à fait comprendre quelqu'un qui me dit « bah, moi, j'ai joué en 50 Hz toute ma vie. » Ça ne me change rien de jouer en 50 Hz. Voilà, tout à fait, exactement. Et toi, Stéphane, qu'est-ce que tu... Alors, dis-moi. Moi, je ne peux pas s'en perdre à fond, quoi. Enfin, je sais qu'à l'époque, j'étais au taquet là-dessus, hein, parce que je savais très bien, parce que c'était dans les magazines et tout, quand tu as acheté une console Super... Enfin, moi, j'ai acheté la Super NES US en partie pour ça, parce que bah, je voulais jouer avec le plein écran et puis en vitesse normale, quoi. Et puis l'autre raison, c'était de pouvoir justement jouer au jeu... les RPG dans des langues un peu plus compréhensibles, quoi. Après, je comprends très bien ce que tu dis, Adrien. Quand tu as toujours joué ou que tu ne connais pas autre que le 50 Hz, tu sais pas ce que tu perds, quelque part. Ouais, quand tu vois le Sonic, par exemple, hein, on va prendre des jeux hyper connus, le Sonic, quand tu as joué en Jap ou en version 60 Hz, c'est quand tu rejoues le jeu en 50, tu vois la différence. Oui, non, mais c'est sûr, C'est flagrant. Et ne serait-ce que la musique, quoi. Oui, c'est clair. Après, effectivement, je comprends très bien aussi les gens qui ont connu que ça, que ces consoles-là, ils ont envie de retrouver bah, les sensations qu'ils ont connues quand ils étaient gamins, avec les belles boîtes pâles, etc. Enfin, les belles boîtes, ça, c'est un autre sujet. mais franchement, voilà, quoi, je critique pas, mais c'est dommage de rater ça, quoi, quelque part, de rater le 60 Hz. Parce que là, on a vraiment le jeu comme il a été pensé dès le départ. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Ouais. Après, il y a eu des restrictions technologiques à l'époque qui ont fait qu'on a été obligé de jouer en 50 Hz. Mais voilà. Et maintenant qu'on peut le faire, c'est quand même une redécouverte des jeux aussi, quelque part. On parlait tout à l'heure de modification de console. Ce n'est pas une modification, mais là, c'était vraiment important. Quoi. Enfin, moi, et là, c'est vraiment... Ah, pardon. Vas-y. Non, vas-y, Stéphane. Non, vas-y. Non, c'est bon. Excuse-moi.
Vas-y, vas-y, sans prix. Non, t'as eu la Super, tu disais la console que j'ai acheté en Super Nintendo, puis la Mega Drive, okay. j'ai la Jap aussi. J'ai acheté la Jap aussi à l'époque, parce que à l'époque, c'était déjà des choses qu'on lisait dans les magazines et puis dont on parlait. Après, il fallait pouvoir justement avoir le téléviseur qui soit en 60 Hz à l'époque. Et pas toujours gagné. Quand c'est vous mettiez votre compte, il y avait des rouleaux sur l'écran ou que ça paraissait en noir et blanc. Voilà, quoi, c'était assez compliqué. Mais bon, après, il fallait se rencarder sur quel type de téléviseur on pouvait accepter ça et puis roule. Quoi. C'est un peu comme les consoles analogues aujourd'hui où vous pouvez jouer à des jeux comme en Mega Drive sur un écran plat parce que ça vous avez une meilleure qualité d'image. Quoi. Mais à l'époque, si vous vous renseignez un petit peu, on avait l'info que le 60 Hz, c'était quand même mieux. Mais c'était plus cher aussi. Hein. C'était plus cher parce que c'était des consoles d'importation. Ou je ne sais pas s'il y avait des consoles modifiées, je ne pense pas. Mais c'était plus cher. Donc, puis moins connu aussi. Déjà, moi, à l'époque, je disais ça, c'était mon truc. Hein. Donc, je disais ça avec importance. Hein. Et puis, il fallait je ne pensais pas acheter autre chose que console 61. Mais bon, chacun son truc. C'est vrai que le switching, comme disait Hyperion, j'avais chopé effectivement aussi une Mega Drive 2 qu'on m'avait offert, et puis donc j'avais demandé à mes parents s'ils voulaient bien me payer le Switch 60 Hz, et j'étais tout content, puisque moi j'ai connu que ça, hein, le 60 Hz, Super Famicom, PlayStation, j'ai eu la Jap aussi, je l'ai racheté à un copain, pas dire day one, mais enfin 4 mois après, donc prix plein, et voilà, donc je n'ai connu que ça, et ça c'est vrai que c'est ma réalité à moi, j'ai connu le 60 Hz. Maintenant, quand je revois du 50, c'est tout simplement abominable pour moi. Enfin, c'est une hérésie. Mais par contre, c'est vrai que connaître que le 50 Hz dès le départ, ben, encore une fois, c'est un autre point de vue, puisque c'est une autre découverte, une autre réalité. Et ces personnes-là, je peux comprendre que... parce qu'il n'y a pas que des avantages, si j'ai bien compris, en 60 Hz. Hein, y a aussi des ralentissements un peu plus fréquents. Moi, je ne les ai pas remarqués à l'époque. Mais il y a quand même le plein écran, il y a quand même la musique qui va à une vitesse normale. Alors tu disais justement Stéphane, et ça c'est très important Adrien, tu en parlais, et après on va revenir sur Choco bien sûr, c'est que le jeu Tintin par exemple, hein, que JDG a testé, si tu joues en 60, je ne suis pas certain que ça va donner la même... Le même feeling, parce que ces gens-là ont programmé sur la 50 Hz. En fait, ce qu'il faudrait pouvoir faire idéalement, c'est de jouer sur le support d'origine du pays d'origine du jeu. Enfin bon, bref, c'est pas français. Les jeux japonais, en 60 et américains 60, européens 50. Voilà, là, ce serait l'idéal. Et je crois qu'on réunirait tout le monde. Il y aurait plus de petites bagarres, machin. Bref, Choco, j'ai assez parlé. Comment ? C'est pas une bagarre. C'est pas une bagarre, bien sûr. Non, mais c'est. Ouais, non, c'est certain, il ne faut pas de bagarre en 2021 quand même. Quoique, l'Amiga, c'est meilleur que l'Atari. Hein. Et je vous en ai. Je suis d'accord là. Je n'ai pas montré mon doigt, mais c'est plus ou moins la même chose. Voilà, Choco, je t'en prie. je vais pas paraphraser ce qu'a dit Adrien. Ouais. Je suis assez aligné d'ailleurs. Hein. Moi, je suis rentré sur du 50, hein, comme beaucoup d'entre nous, j'imagine. Et j'ai vu du 60 sur Street Fighter 2, sur Super Famicom, et là j'ai fait « Ah, c'est bizarre, c'est pas le même jeu. Pourquoi j'arrive pas à sortir les coups alors que mon père y arrive ?» Là j'ai compris qu'il y avait une vraie différence. Et c'est là où j'ai commencé à regarder finalement et à me heurter aussi à toutes ces problématiques de compatibilité de télé. Parce que comme tu le disais Stéphane, toutes les télés n'étaient pas forcément compatibles. C'est ça. Et moi, j'avais eu l'occasion de tester sur ma télé et ma télé n'était pas compatible. Donc, de toute façon, voilà, donc je suis resté sur du 50 jusqu'à ce qu'on change un peu de télé. J'ai aidé à ce qu'on change la télé aussi. Ça, c'est pas mal pour le coup. Ouais, elle est tombée la télé. Bon, ben voilà. Le 60, après, ouais, c'est bien, c'est cool. Mais maintenant, c'est pas indispensable. Non, c'est pas indispensable. Après, j'aurais tendance à dire que bon, est-ce qu'il y a encore une rivalité On a tous nos souvenirs avec les. Bien sûr, voilà, c'est ça. C'est ça le plus important. Ouais, c'est ça le plus important. Et puis, est-ce que c'est
pas un débat qui est un peu périmé maintenant, parce que bon, maintenant les écrans, ça mange à peu près n'importe quoi. Ouais, c'est clair. D'ailleurs, ce problème. C'est un vieux con, hein. Oui, mais je suis un vieux con, tu peux le dire, Choco. Oui, il y a pas de problème. Je m'inclus dedans, hein, comme dans le teaser que tu avais fait, Adrien. Ouais, le 50 Hz, le 60 Hz, mais demain, ça va être, regarde, le 120 Hz, tu vois, ou le ouais. seconde, etc., etc. Ça va être le 4K. Et tout. Voilà, 4K, ouais. 8K, etc. Je trouve que c'est un petit peu stérile, d'ailleurs, ce débat technologique, parce que si l'animation est faite en 50 Hz, 30 images secondes, mais oui. 60, etc., ce sera pareil. Voilà, et pour en revenir à des jeux comme Pong, comme Turrican sur Amiga ou Atari, j'en passe, des jeux sur Amstrad 64 de l'époque, il n'y avait pas ce problème-là du 50-60, enfin pas que je sache. Ouais, ouais. Et ça, quand tu y rejoues en émulateur ou même sur la bécane d'origine, c'est le jeu, point à la ligne, il a pas bougé d'un iota, il n'y a pas de meilleure version, c'est le jeu qui tourne sur la machine avec le matos d'origine, à la vitesse d'origine, c'est surtout ça qu'on parle. Ouais. Et bon, c'est vrai que ça a disparu avec la PS3, la 360 aussi, tout doucement, hein, parce qu'il y avait là, comme il y avait plusieurs sorties disponibles, HDMI, puis encore le Péritel aussi. Voilà, mais tout d'un coup, ça a disparu, et ce débat, comme vous dites, n'a plus lieu maintenant. De toute façon, on le sait bien, que la next gen. Donc, pour parler justement du dernier sujet, rapidos, et puis on va tout doucement se quitter. Next Gen, alors pour vous, quelle est la console d'après vous, quelle est la génération de console qui pour vous évoque le rétro? Voilà, est-ce qu'on peut parler la PS2, est-ce que c'est rétro pour vous? Est-ce que la PS1 c'est rétro, la Saturn notamment? Quelle est pour vous, selon vous, la génération? Et on va repartir sur Choco comme ça. Qui n'a pas l'air d'avoir peut-être la réponse. Donc, on va peut-être passer sur Stéphane. Et puis, je peux répondre. Il y a pas de problème. Vas-y. C'est une question et c'est un vrai serpent de mer. Hein. Ça dépend vraiment des joueurs. Il y en a qui vont s'arrêter à la 2D. Ils vont dire, voilà, c'est parce que c'est de la 2D. Il y en a qui vont dire tout ce qui est de la génération d'avant. Mm-hmm. Ça commence à être du rétro. C'est aussi une perception qu'on peut avoir de manière très personnelle. Je vais te dire, pour moi, la 360, il y a des jeux qui sont dessus, qui ne sont pas rétro, et pourtant, ça commence à dater, tu vois. Le gouffre, en fait, l'écart technologique, il n'est pas aussi perceptible qu'entre la 2D et la 3D. C'est ça. Et le début de la 3D commence à faire rétro parce que ça a très mal vieilli. Donc, je pense que c'est vraiment une question de perception. Il y en a qui vont mettre le rétro quand il n'y a pas de online aussi. Donc, chacun a sa manière finalement d'appréhender le sujet. Rétro veut dire peut-être aussi cartouche. Oui. J'ai pas de réponse à cette question. Non. Mais c'est déjà une bonne réponse en tout cas. Voilà. C'est une non bonne réponse. C'est une bonne non réponse. Bon, bref, on prend ça comme. Adrien, quel est ton avis là-dessus? Pareil. En fait, je pense que ça va dépendre de l'âge de la personne, c'est-à-dire et son parcours vidéoludique. C'est ça, en fait. Ça, c'est bien. La réponse, je pense. Moi, toi, typiquement, pour moi, tout ce qui est avant la PS3, je considère que c'est du rétro. C'est-à-dire PS2, même peut-être la Wii, non, pas vraiment, mais ce qui va être vraiment la GameCube, tout ce qui est. Parce que j'ai aujourd'hui 38 ans et. C'est le moment où vraiment je suis passé de l'âge où j'ai terminé l'adolescence, en fait. Et je pense que pour quelqu'un, ce qui est rétro, c'est tout ce qui, en tout cas en jeu vidéo, je parle, hein, c'est tout ce qu'il a connu pendant son adolescence. Exactement. Souvent. Alors, ça peut aller un peu plus loin, en fonction des personnes, c'est vrai que moi, personnellement, ça va vraiment être ça. Et ça va aller vraiment jusqu'à la PS2, PS3, tout ça. Bah oui, c'est des consoles, mais pour moi, c'est pas du tout du rétro. Voilà un petit peu mon point de vue sur la question. Et alors, donc, Stéphane, effectivement, pareil. Pour moi, c'est la génération GameCube PS2. On est souvent avec cet avis-là, en fait, je pense. C'est marrant. On peut peut-être considérer aussi que une console devient rétro quand elle n'est plus produite, quelque part, aussi.
Aussi, ouais. Absolument, oui. Et aussi, peut-être, comme tu le disais, une question de génération, c'est une question d'âge ouais. qui fait que tu vas considérer que telle ou telle console est, ouais. est rétro ou pas. Il n'y a pas longtemps, la GameCube, on considérait que ce n'était pas forcément du rétro, et maintenant, ça se collectionne énormément. Ouais. Et pour moi, c'est du rétro. Même si ouais. c'est du support CD. Ça dépend de la console aussi, quelque part. Voilà, c'est ça. Ouais. La PS1 ou la Saturn pour la 3D, par exemple, ça, c'est vrai que clairement, ça devient un peu difficile de jouer, de prendre son pied avec ouais, des jeux de... sur PS1 et Saturn. En 3D, hein, je parle bien. Oui, oui, oui. Même en 3D. Les jeux 3D, 2D hein. qui sont vraiment. Ah, 2D, oui, clairement. Oui, oui, tout à fait. Alors, sur Saturn. Qui sont, Saturn, sont très rétro oui. et qui sont très, oui, oui. très typés une période, je pense, oui. Bah, on va reparler de la Saturn ou même de la PS1. Il y a des shoots qui sont ouais. vraiment dédiés à ces consoles, qui sont vraiment superbes. Tout à fait. Ouais, ouais. Encore jouable aujourd'hui. Mais pour moi, c'est du rétro. Quoi. C'est, bah, maman... c'est des jeux qu'on trouvait à l'époque, qu'on ne retrouve plus ouais. maintenant. Mmh. Ou alors qu'on retrouve sur la Switch, par exemple, parce qu'il y a oui. justement pas de rétro gamers qui s'y retrouvent en jouant ouais. à des shoots sur cette console-là. Tu vois. Mais placer une date, de toute façon, ça évolue. Mmh. Ah, c'est compliqué. Hein. Mmh. Sur la, par exemple, la génération 32 bits, moi, ce qui me pose plus problème, outre l'aspect graphique, c'est plus le gameplay, en fait. Oui, voilà, c'est ça. On est sur un changement de gameplay, sur de la 3D, qu'on n'avait pas l'habitude. Voilà. En effet, il faut se souvenir qu'au début, on n'avait pas de stick analogique pour beaucoup ouais. de jeux, même en 3D, ouais. pour le coup. C'est ça, exactement. Il y a des jeux 3D qui sont magnifiques encore. Enfin, tu joues ouais. à un Pandemonium, c'est magnifique, je trouve. Ouais. Tu vas jouer à un Crash Bandicoot. Alors moi, j'ai surtout souvenir du 2 et du 3, mais je pense que le 1 aussi, c'est très, très beau. Ouais. Le Spyro, même si ça reste très épuré, très coloré, ça reste quand même relativement agréable à regarder, même encore aujourd'hui. Après, c'est toujours pareil. Il faut jouer sur un gros truc là comme ça derrière, une grosse télé cathodique avec les câbles RGB qui vont bien, etc. Et à ce moment-là, en effet, tu tires la quintessence de la 3D qui était faite à l'époque. Voilà. Mais honnêtement, je ne pense pas que ça... Moi, tu vois, je joue même à des jeux qui sont vraiment moches sur Saturn, ça m'est arrivé. Bon, on a parlé là, il n'y a pas longtemps de Mass Destruction avec DGGX. Ouais. C'est un jeu qui graphiquement a vraiment mal vieilli pour le coup. Mm-hmm. Mais en fait, le gameplay est tellement fun et tellement défoulant qu'en fait, c'est un jeu, tu peux y revenir même maintenant, même aujourd'hui, parce qu'en fait, c'est le fun et le gameplay qui va vraiment impacter le joueur pour le coup, plus que l'aspect graphique. Donc, ça c'est mon point de vue. Hein. Je suis pas là pour prêcher. Je suis là juste pour donner mon ressenti sur les choses. Mais voilà, en tout cas, moi, c'est vraiment le gameplay qui va faire si je trouve que le jeu a vieilli ou pas. En fait. C'est vrai que je te rejoins là-dessus, Adrien, aussi, sur cette finalement, au-delà de l'aspect, effectivement, le gameplay, ô combien intéressant et ô combien important, surtout pour déterminer finalement si c'est encore un gameplay qui existe actuellement. On le sait, JDG, moi, il m'avait fait marrer avec ce jeu qui, pour le coup, j'avais découvert à l'époque à la sortie, Tomb Raider, sur PS1, et un copain l'avait sur Saturn, d'ailleurs, c'était un petit peu la guéguerre Amiga Atari, tu vois, bon, il y avait déjà un petit peu ce côté, c'était plus pourri sur Saturn, machin, mais c'était surtout le gameplay, en fait, qui était vraiment, alors pour être actuellement, le Tomb Raider premier du nom, si tu reprends la PS Mini ou n'importe, la manette première du nom, sans les sticks analogiques, comme tu dis, Adrien, c'est juste dégueulasse, c'est juste injouable, quoi. Tu déplaces un camion, comme JDG le montrait, effectivement, c'est tout à fait ça, quoi. Et ça, c'est plus possible actuellement. Il y a des trucs qui sont limite inacceptables. C'est comme les premiers Resident Evil, hein. Ouais. Ouais, ouais, voilà, pareil. C'est affreux. Voilà. Mais donc, à l'époque, c'était génial. Oui, ouais, absolument. Ouais, ah ouais, c'était une claque. Et on s'en contentait aussi. On se contentait aussi de ça. On connaissait pas autre chose, donc c'est normal qu'on... Oui, exactement. C'est ça. Bah, c'est comme les jeux micro ou même les tout premiers Pong, on en reparlait là tantôt, les jeux sur Commodore 64, hein, toi Stéphane tu connais bien, tu avais des petits personnages en 3 pixels, maintenant limite si on fait du 3 pixels c'est du néo-retro, c'est mignon, c'est kawaii, mais à l'époque c'était un vrai personnage qui avançait d'une fluidité exemplaire, et c'était comme un bouquin sans image. Ouais, hein. C'est passé du bouquin, du gros bloc comme ça sans image à une BD.
La BD, on te sert sur un plateau, bah, finalement, tout l'aspect, comment tout le monde dans lequel évolue le héros, le personnage. Le bouquin, bah, t'as que ton imaginaire pour, voilà, pour faire travailler ça. Et ça, c'est vrai que ça se perd actuellement parce qu'on te sert à coup de 3D, à coup de technique, tout sur un plateau. Il y a plus ce côté imaginaire. Alors là, c'est vraiment un vieux con qui parle, parce qu'effectivement, c'est vraiment un critère vraiment con, mais n'empêche, si on reste sur cette question-là, voilà. Mais à part ça, sinon, je suis vraiment hypé par les jeux 3D actuels, il n'y a pas de souci avec ça. Hein. C'est... Quand tu vois le dernier Forza qui a été présenté, enfin, je ne sais pas si vous avez vu. Ouais, je l'ai vu, ouais. Enfin, c'est assez impressionnant, quoi. Mais c'est vrai que ça ne fait plus jouer l'imagination comme ça le faisait à l'époque, quoi. C'est clair. C'est clair. C'est sûr. Ouais. Bon, au niveau technique, il ne faut pas oublier un truc, je crois que c'est qu'à un moment donné, alors ça c'est vrai que seul l'avenir nous le dira, on a toujours cette impression qu'en fin de compte, ils ne vont pas faire mieux plus tard. C'est vrai que la PS4 à la PS5, clairement, c'est qu'une mise à jour, c'est pas non plus un fossé technologique de ouf. Pour l'instant, c'est clair. Moi, je trouve que, bon, Forza, tu le citais, c'est vrai qu'il est beau. Mais voilà, quoi, moi je vois toujours le même système 3D qu'on c'est connaît. C'est le même principe de jeu, c'est ouais. Mais je veux dire simplement, voilà, t'as les textures, la résolution, machin, enfin on en revient toujours au même truc. Après, qu'est-ce qu'ils vont nous sortir je veux dire, limite, ils vont nous sortir la vraie vie, quoi. En fait, c'est sors de chez toi et arrête de jouer sur ton écran. En fait, ton jeu, tu le vis tous les jours. Quoi. Le casque, ouais, bien sûr. La R, hein, quoi. Mais là, c'est un autre débat, hein, cela dit, c'est vrai, je vous l'accorde. Mais c'est vrai que... Ils trouveront, en toute façon, des choses nouvelles. Ils trouveront, oui, c'est clair. Et alors, tu as aussi... on parlait du rétro, quand une console est rétro, ben, moi, j'aurais envie de dire un truc en plus. Une console ne meurt jamais tant qu'elle est programmable et programmée. C'est-à-dire qu'il y a des jeux, ben, vous le savez très bien, qui ressortent. Alors certes, pas tous bons non plus, faut pas déconner. Mais t'as quand même des petites équipes de homebrew. Voilà, d'ailleurs, je suis sur un projet pour l'instant, enfin, un projet qui n'est pas secret, c'est Brixen sur Amstrad CPC. Oui, je suis passé du côté de la Force Noire. ouais, je sais. Non, mais c'est une équipe qui travaille là-dessus. Et moi, j'ai juste fait la musique. D'ailleurs, s'il y a des gens qui cherchent un musicien pour C64 ou Amiga, n'importe, je suis là aussi. Mais bref, tout ça pour dire que une machine vit à travers finalement ce qu'on lui offre à bouffer, quoi. Voilà. Donc finalement, on peut dire que le rétro n'existe pas. En somme, il est juste là, permanent. Et puis voilà, quoi. Bon, là, c'était... Mais tu vois, typiquement, à ma connaissance, alors peut-être que je me trompe, hein, mais à ma connaissance, il n'y a aucun jeu en développement aujourd'hui sur PlayStation 1, par exemple. Alors c'est une console assez facile à développer. Ouais. PS2, pareil, alors qu'il y a des kits de développement qui étaient vendus carrément par Sony. Et pourtant, c'est des consoles que moi, je considère comme rétro. Donc, moi aussi, clairement. Ouais. Voilà. Petite équipe, Adrien. De quoi ? Ça coûte trop cher à développer pour une petite équipe, les jeux en 3D. Ah ouais. Par rapport à des jeux. Même en 2D, tu n'es pas obligé de faire des jeux en 3D, tu peux faire des jeux en 2D aussi. Ouais, c'est vrai. Bah, tu peux faire un shmup, tu peux faire plein de trucs. Et pareil, sur la Saturn, il y a des portages de jeux qui ont été unreleased parce qu'ils ont été annulés. Mais il ne me semble pas qu'il y ait des nouveaux jeux. Alors, la console est très compliquée à développer, a priori aussi. C'est du full assembleur, donc c'est un peu chiant. Ouais. Mais voilà, tu vois, il n'y a pas d'équipe aujourd'hui qui se lance dans des jeux, on va dire, sur de nouvelles consoles. Après, l'avantage sur, par exemple, la Mega Drive, il y a beaucoup de projets aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des gens qui ont développé un écosystème pour développer facilement sur Mega Drive. Mmh. C'est pour ça, en fait, qu'il y a des développements sur ces consoles-là, plus que parce que c'est rétro, c'est pas rétro, je pense. Mmh. Après, moi, sur la partie micro-ordinateur, j'y connais rien, donc je m'avancerai pas. Mais j'imagine que c'est pareil, c'est du langage spécifique micro-ordinateur avec des lignes de code et c'est pas très compliqué là-dessus. Ok. Charlie. Mais donc, en fait, voilà, c'est clair que. C'est clair que, voilà, c'est encore une fois un vécu, c'est aussi une génération, c'est aussi un âge aussi auquel on a découvert, et je perds mon casque, qu'on a découvert effectivement une génération de consoles. La PlayStation 1, par exemple, pour faire court, j'ai découvert quand j'avais 20 ans, voilà, j'ai découvert à l'époque où c'est sorti.
Et ça restait une claque. Maintenant, effectivement, j'ai mal à ma PlayStation. Hein. C'est plus possible. Sauf moi, les jeux de... finir Symphony of the Night, tu vois. J'avais jamais terminé. Ouais. Mais un jeu 2D, c'est vrai que ça vieillit. Enfin, moi, je trouve que j'ai du... Le jeu 2D, finalement, ne vieillit pas, pour moi. Ça, c'est mon avis. Il vieillit pas. Que ce soit un Pong, que ce soit un Symphony of the Night, que ce soit n'importe quel autre jeu, Metal Slug, qui est superbe, In the Hunt, hein, qui tourne très bien aussi sur PlayStation 1, qui pour le coup tourne mieux en 2D, je crois, que sur Saturn, alors que la Saturn est beaucoup plus... beaucoup plus... voilà, elle est superbe au niveau de la 2D. Et voilà. Mais donc, c'est vraiment l'expérience qui fait de toute façon... qui fait le geek, voilà, pour citer une petite phrase. De conclusion, ben on va arriver tout doucement à la fin. Ben on est à la fin, en fait. J'ai le désespoir de vous dire que ce live se termine. Ça a été une vitesse, mais pas possible, je sais pas pour vous. Ouais. Moi, je trouve que ça a filé super bien. 2h04 en tout cas pour l'instant, bientôt 5. En tout cas, merci à toi Choco d'être passé, ça m'a vraiment fait plaisir. C'était c'est l'occasion qui fait le larron. Nous, on attend de te voir à Paris, Choco. Hein. Ouais. N'oublie pas que cet été, on a un invité surprise qui vient. Donc, Ouais, je sais. Ouais, je serai là. Ah bon, ça va alors. Ou sinon, ce qu'il vous reste à faire, c'est de commander un très grand conteneur et puis. Et puis, peut-être, pourquoi pas, de lancer votre propre boutique de recel. Jamais, non. C'est pas... Non, je préfère travailler normalement. Oui, c'est clair. Honnêtement, voilà, on va dire comme ça. En tout cas, merci d'être passé, Stéphane. Merci aussi à toi, Adrien. Désolé encore pour le retard aussi. Et donc, voilà, les petits problèmes techniques, mais qui se sont finalement améliorés au fur et à mesure de ce direct. J'espère que les auditeurs ont apprécié ce live aussi. De toute façon, on se retrouve, je ne sais pas quand, voilà, moi, ma chaîne, je crois qu'on commence à la connaître, je sors une vidéo quand je veux, quand je peux, et puis quand j'en ai envie, vraiment, sinon ça ne sert à rien, si c'est pour se forcer à produire, ça ne sert à rien, ça se ressent de toute façon. Donc voilà, j'ai vraiment eu un grand plaisir à vous recevoir, et puis de toute façon, je vous souhaite à vous trois une bonne continuation, sur vos chaînes respectives, toi Adrien, bien sûr, dans la vie et compagnie, et puis surtout dans le monde geek, soyez geek jusqu'au bout des ongles, de toute façon, c'est le petit côté jeunesse qui nous maintient aussi, et voilà. En tout cas, merci à vous tous, merci Charlie, merci à tous dans le chat d'avoir participé, grand, à tout bientôt, je vous dis de toute façon à bientôt, et une toute bonne nuit, ou en toute une bonne journée, c'est selon. Salut, bonne soirée. Merci à tous d'être passés. Salut à tous. Ciao, ciao. Okay, bye bye.